C'est bon, c'est Abdelhak, on peut commencer? On peut commencer, Oui. Yac. D'accord. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette visioconférence qui constitue la contribution d'un groupe d'associations marocaines au Forum social virtuel ces jours-ci sur le slogan En marche vers Mexico 2022. Et ces organisations sont le CERS, le Centre d'études et de recherche en sciences sociales, qui a déjà organisé ces derniers jours deux ateliers, l'un sur la protection sociale et l'autre sur l'éducation, plus précisément sur le numérique et les inégalités de chance dans le système éducatif. Et également, la deuxième organisation organisatrice de la visioconférence, c'est l'UPTS, qui est l'Université pour tous Salé, qui est une organisation dynamique depuis sa création il y a quelques années, et qui s'est fixé pour mission de l'éducation pour tous, d'avoir l'éducation et la culture à toute personne, quel que soit son âge, son sexe, sa race, sa religion, etc. Et aussi, en troisième lieu, le GREM, qui est le groupe de recherche et d'études sur l'immigration, qui est une association en caractère culturel et qui est dédiée à la recherche sur l'immigration, comme son nom l'indique. Et nous avons choisi d'organiser cette visioconférence sur la migration et droits de l'homme entre politique étatique et action de la société civile. C'est justement pour susciter un débat sur les enjeux réels en cette période de l'histoire humaine, d'un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur et d'interpeller à la fois les États et les sociétés un peu partout. Certes, la migration interpelle les États et la société civile à plusieurs égards. Mais nous avons estimé opportun, dans le cadre du Forum social mondial, de mettre l'accent sur une dimension qui est souvent invoquée au niveau des discours, mais qui, dans la réalité, a besoin de beaucoup d'efforts pour que la mondialisation à laquelle aspire tout homme et toute femme est prise de valeurs humaines, surtout de dignité et de justice sociale, pour que cette mondialisation devient quotidienne. Le constat actuel est que sous l'influence d'une mondialisation animée par la pensée néolibérale, les droits de l'homme en général et les droits des migrants et des réfugiés en particulier connaissent une ignorance qui ne peut fréquemment que révolter les défenseurs des droits de l'homme. Les États ont leur logique et leurs intérêts, et qui parfois conduisent à réserver aux migrants une situation qui est en deçà des valeurs, en deçà de ce que doit être l'homme dans le 21e siècle. Donc, l'objet de notre conférence, c'est d'essayer de réfléchir ensemble sur cette confrontation entre les logiques des États et leurs intérêts avec les aspirations des personnes et des sociétés qui soient respectées et la justice. Cette thématique nous est chère.
d'abord par les constats et par les constats que nous voyons quotidiennement dans nos villes, mais aussi dans ce que voient tous toutes personnes dans beaucoup de régions, et aussi de ce que nous rapportent les médias quotidiennement sur la situation des migrants et des migrantes dans toutes les régions du monde. Donc, pour approcher cette problématique de la recherche d'un équilibre entre logique d'État et respect des droits de l'homme, des migrants et des... Nous avons estimé utile d'articuler cette visioconférence sur deux axes, en fait, qui sont deux panels. Le premier qui essaiera, je l'espère, à discuter de la question des droits de l'homme dans les politiques étatiques. Le deuxième axe pourra être réservé au rôle des sociétés civiles, au rôle des organisations de la société civile dans la promotion et la protection des droits des migrants et des réfugiés. Donc, je remercie tous les intervenants qui ont bien voulu accepter de participer à cette conférence. Je les remercie pour le temps qu'ils nous ont consacré, pour la place qu'ils ont réservée dans leur agenda à cette activité et qui nous estimons est d'une importance dans le cadre de ce mouvement altermondialiste qui s'active actuellement dans le cadre du Forum social mondial. Donc, il y aura donc le premier panel sera modéré par moi-même et le deuxième sera modéré par notre ami Si Mohamed Mreziqa. S'il est là. Et donc, si vous voulez, nous avons une heure et demie pour débattre de cette question des droits fondamentaux des migrants et réfugiés dans la politique étatique. Une heure et demie, ça veut dire que nous étions normalement vers 20h30 pour laisser la place au deuxième panel. Que je sollicite les intervenants. Monsieur Abdo Minbi, acteur associatif de longue date qui est reconnu en France des droits des migrants, président de MCMO aux Pays-Bas et dynamique depuis longtemps. Également, c'est Abdelaziz Sart, qui est acteur associatif et président du FMO en Belgique et qui va compléter aussi l'autre casquette qu'il a. Monsieur Mehou, acteur associatif en Belgique, Maïssa Bacha, chercheur de l'Université libre de Bruxelles, Sibyl Abdelkrim Belgendouz, on n'a pas besoin de le faire connaître, il est le doyen des chercheurs au Maroc et qui milite aussi pour la défense des droits des Marocains du Yémen. Madame Aïcha Mazouz, jeune chercheur en migration,
Je leur souhaite la bienvenue, je renouvelle mes remerciements. Et peut-être que pour gagner du temps, j'espère que nous respectons le temps qui nous est imparti. Je propose que chaque intervenant intervienne dans un laps de temps qui ne dépasse pas les dizaines de minutes. Et après, nous ouvrirons un débat pour laisser l'audience, les participants, pour faire leurs commentaires ou poser des questions. Donc, j'espère que les amis intervenants nous aideront à respecter le temps qui nous est imparti. Et je commence par donner la parole à celui qui la veut. Peut-être si Abdoul Menebdi, s'il est d'accord. Sinebdi. C'est Abdou. Activez le micro, je pense, là. Vous m'entendez? Si, Monsieur Abdou, merci d'activer le micro. Oui, maintenant ça va? Oui, ça va, ça va. Oui. Très bien. C'est bon. Alors, bonsoir à tous et toutes. C'est une bonne occasion au moins de se voir et d'échanger aussi les expériences et le travail qu'on fait tous pour un monde meilleur. Alors, si on commence à parler sur la situation des droits de l'homme, par exemple, en Europe, sur la question de l'immigration. Je pense qu'on ne peut plus parler de droits de l'homme en Europe. Les pays de droits de l'homme qui ont beaucoup fait pour contribuer au respect des droits de l'homme, nous constatons maintenant que l'exemple, par exemple, de l'île Moria, là, on voit des gens qui meurent, on voit des gens qui se noient, que personne ne veut les accueillir, que même cette immigration est devenue une marchandise, que même il y avait un quota au moins de reprendre par pays 500 enfants, que même sur ça, beaucoup de pays européens, ils ont refusé d'accueillir des enfants qui sont dans l'île de Moria. On voit toute une malaise de l'opinion, mais les États, pour eux, pas question d'accueil. On voit aussi l'exemple maintenant qui est très clair sur le pacte européen de l'immigration et l'asile. C'est vraiment un pacte qui n'a aucun respect des droits de l'homme. C'est un pacte qui impose le refoulement, qui impose que les frontières fermé complètement pour les demandeurs d'asile. C'est un pacte qui essaye de donner le pouvoir à chaque pays européen pour traiter ces gens comme ils veulent, sans aucun respect des accords sur la question des réfugiés, sans aucun respect des droits de l'homme. Ça veut dire que c'est une situation que fait peur que le droit de l'homme il recule au niveau de Pays-Bas. Plus, il utilise toutes les actions terroristes, des actions de malaise pour confirmer que le droit de l'homme ne doit pas être respecté, c'est le droit national. Cette situation actuellement a créé en Europe tout un chauvinisme que d'abord les nationaux d'abord, et les autres, on s'en fout. Et ça, c'est nouveau. Le moment où on parle de globalisation, de l'Europe, il y a le chauvinisme, et on voit même les déclarations qu'a fait Macron
en France, qu'il allait jusqu'au les gens qui ne sont pas loyaux à la République, loyaux à la définition de plan gouvernemental, ils ne sont pas de nous. Ça veut dire le rejet même de toute une population parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique française ou parce qu'ils ont des critiques. On voit aussi la situation des migrants d'origine ou qui sont des musulmans, par exemple, qu'on voit qu'il y a un traitement, un appel à la haine, pas seulement au niveau des partis de l'extrême droite, mais même du gouvernement, que le rejet de des communautés musulmanes et interdire même leurs droits à l'éducation, leurs droits à l'organisation, les menaces de fermer les mosquées dans le cadre soi-disant de lutter contre l'islam radical, mais ils sont en train de bafouer tous les droits humains des gens pour s'exprimer. On le voit aussi dans le dernier mot, dans le corona, on constate que beaucoup des demandeurs d'asile ou des réfugiés, ils n'avaient même pas le droit de protection parce qu'ils habitent dans des camps que il n'y a pas de questions sanitaires présentes. Ça veut dire chaque jour, on le voit maintenant avec le corona, que l'intérêt national en avant, on le voit dans la discrimination à cause de corona, que tous ces immigrés, les migrants, les réfugiés, c'est eux qui ont amené le corona, par exemple, en Europe ou aux Pays-Bas, là où j'habite. C'est une question que le droit de l'homme s'aggrave, le chauvinisme et le nationalisme augmentent, le non-respect des droits de l'homme, ni des droits d'asile, ni des droits contre le racisme, ils sont plus prioritaires. Tout le monde, même les gouvernements, ils disent notre nation, c'est la priorité, les autres, on le voit après. Même cet esprit, par exemple, d'avant, d'aider les migrants qui viennent des pays se développer pour assurer au moins un vie humaine chez eux. Maintenant, non, même ces droits et cette politique de développement, il est utilisé pour le refoulement des migrants et des demandeurs d'asile. Et donc, toute cette politique discriminatoire qui ne respecte pas le droit de l'homme, nous constatons par malheur que les pays d'origine de l'immigration, comme le Maroc, l'Algérie, Tunisie, enfin la Libye, c'est autre chose, qu'ils n'essayent pas de dénoncer ce non-respect des droits de l'homme ou non-respect des accords qui protègent les minorités. Nous constatons que les gouvernements, comme le gouvernement marocain, complètement complices, il est prêt de accueillir les enfants que l'Europe n'a pas le droit de les expulser. Le Maroc, par exemple, il accepte de l'accueillir. Le Maroc accepte, mais il y a des discussions des centres de détention que le Maroc il est prêt de le faire. Le Maroc il est prêt, par exemple, de faire une frontière à l'intérieur du Maroc. Et le Maroc aussi, il est complice de non-respect des droits économiques et sociaux des migrants qui sont parfois en Europe, et le Maroc accepte et travaille avec eux sur cette question, soi-disant dans le cadre de l'intérêt national, l'intérêt marocain pour la question du Sahara. On a besoin du soutien de l'Europe. Ça veut dire qu'on ne doit pas les confronter parce qu'on a espoir avec eux sur la question du Sahara ou sur la question de l'investissement. Je m'arrête ici, on peut continuer tout à l'heure. C'est bon. On n'écoute pas bien. C'est vrai que je pense qu'il y a problème de connexion. Oui.
Donc, on donne la parole à Monsieur Saret Abdelaziz, non? Abdelaziz? Abdelaziz Saret? Activez le micro, s'il vous plaît. Allô? Oui, monsieur. Allô? Vous m'entendez? Oui, c'est bien. C'est à moi d'intervenir maintenant. Allô? C'est Abdelhaq? Oui. C'est Abdelhaq. Vous m'entendez? Oui. Ah, d'accord. Donc, je résume un peu ce qu'a dit Sy Abdo. Politique européenne qui ignore les droits humains des migrants et des réfugiés, montée du chauvinisme et du nationalisme, discrimination même en période de crise, et silence et même complicité des pays d'origine par rapport aux droits fondamentaux des migrants. Alors, si vous voulez, je donne la parole à Aziz. Allô? Oui, c'est Aziz. C'est Aziz. Oui. Vous m'entendez? C'est à moi? À toi la parole. Oui, donc, bonsoir tout le monde. Si tu veux. Oui, donc, bonsoir tout le monde et merci aux organisateurs et aux autres invités. Donc, pour moi, tout d'abord, je voudrais bien faire quelques remarques préliminaires par rapport au thème de notre rencontre. La première remarque, c'est que quand on parle de l'immigration et de la citoyenneté, tout un ensemble de notions doivent être évoquées parce qu'ils sont très liés les unes aux autres. Par exemple, quand on parle d'immigration, il y a l'intégration, il y a l'assimilation, il y a le couple nationalité-citoyenneté. Il y a droit et devoir, il y a le vivre ensemble, l'exclusion, diaspora, double allégeance, communautarisme, identité, multiculturalisme, interculturalité, minorité ethnique, conflit ethnique, ghetto, culture, citoyenneté diasporique et tout cela. La deuxième remarque, c'est que je ne fais pas mienne cette nouvelle sociologie et certaines études en sciences sociales, ce réclamant des sciences sociales qui se contente d'une description linéaire du fait migratoire presque administrative, se basant sur une mode qui est la mode des enquêtes, les statistiques, les tableaux, les courbes, etc., et sans se soucier d'interroger les systèmes politiques, les idéologies et les intérêts des pays, qui ce qui nécessite... dans notre cas, une étude pluridisciplinaire allant de la philosophie, bien sûr les sciences sociales et politiques, l'histoire, le droit, l'étude des idéologies et les systèmes de production, sans parler de l'anthropologie et de l'orientalisme. La troisième remarque, c'est que beaucoup de ces questions de domaine sont du domaine des droits de l'homme et nécessitent une sociologie militante en faveur des droits des immigrés, des diasporas, des réfugiés, parce que dans la plupart des cas, il s'agit de flagrantes atteintes aux droits de l'homme. Tout d'abord, je crois qu'il faut admettre que la question de la citoyenneté a été reformulée en profondeur par le nouveau discours sur l'immigration. Les origines de cette reformulation des discours, c'est la crise économique, la crise du lien social, les inégalités et bien sûr les nouveaux courants identitaires et la question des frontières lorsqu'on en parle de l'Europe. Toutes ces questions font de l'immigration un point de crispation et d'inquiétude qui ne cesse d'altérer les pouvoirs publics. Le deuxième point, c'est la question de l'État-nation.
tel qu'il a été qu'il est constitué au 19e siècle est mal assuré face à des migrations qui sont aujourd'hui globales et mondialisées. Le fait migratoire a réussi à faire éclater cette proximité étroite entre la nationalité et la citoyenneté. Et cette relation qui a éclaté a fait apparaître des tensions dans des pays par rapport à l'identité, par rapport au droit de sol, le droit du son. Et puis, il faut remarquer que si la nationalité est un concept, une notion relativement stable et statique, la citoyenneté, c'est un concept dynamique. C'est des acquis qui s'ajoutent et parfois des régressions qu'on peut constater. Et puis, on ne peut pas parler de la citoyenneté et de l'immigration sans évoquer la question de l'intégration. Et on peut s'interroger, et on est en droit de s'interroger sur la question de l'intégration. Est-ce qu'elle est un devoir ou un droit? Et puis, il y a différents modèles d'intégration. En France, par exemple, tout le monde connaît, c'est l'intégration républicaine et aucune allusion au multiculturalisme, au communautarisme, c'est banni. Et on refuse toute évocation de ces questions-là qui sont admises sans difficulté dans la tradition anglo-saxonne. Nous. Et puis, nous ne devons pas être naïfs. L'intégration, ce n'est pas une démarche neutre, suivie de politiques publiques, ou bien comme on l'appelle maintenant même le terme en Belgique et surtout dans la tradition flamande, on parle d'un parcours de citoyenneté ou de citoyennisation, si on peut l'exprimer comme ça. L'intégration, en général, c'est une idéologie. Et c'est un discours idéologique qui n'est pas sans lien avec l'anthropologie coloniale, l'orientalisme réducteur, l'histoire coloniale et les intérêts économiques et le système productif capitaliste et libéral. Donc, il y a par exemple, il faut rappeler que c'est le patronat des pays riches qui a fait appel à la main-d'œuvre étrangère pour augmenter leur productivité dans la concurrence avec les autres pays capitalistes et pour améliorer le rendement de modèles productif. Donc, l'immigré était utile au système capitaliste et au bien-être des pays capitalistes. Le deuxième point, dans cet esprit d'utilité, il y a maintenant, par exemple, c'est utile pour les pays occidentaux, par exemple pour la France ou la Belgique ou la Hollande, de nommer un ambassadeur qui fait promotion, donc c'est dans c'est-à-dire monter en échelle de la citoyenneté, nommer un haut fonctionnaire, un ambassadeur ou un ministre, par exemple un noir ou bien un français d'origine africaine, le nommer ambassadeur dans un autre pays africain ou bien nommer un ambassadeur ou un consul d'origine marocaine dans un pays de Moyen-Orient. Donc c'est une utilité, ça facilite la communication, ça facilite les contrats, ça facilite beaucoup de choses. Un troisième point, et puis je vous laisse la parole pour revenir sur d'autres questions après. Il y a par exemple la citoyenneté, ou plus précisément la double citoyenneté, connaît des acquis et des régressions dans nos différents pays d'origine et nos différents pays d'accueil. Par exemple, parmi les immigrés ont acquis des droits depuis l'établissement des immigrés ici en Europe, depuis les années 50 par exemple. C'était grâce à la société civile des pays d'accueil, par exemple les syndicats, la Croix-Rouge, les associations de droits de l'homme, les associations d'églises et surtout l'église protestante. Et puis pour la reconnaissance parmi les droits, c'était le droit au regroupement familial, le droit d'association, par exemple. En Belgique, à un certain moment, on peut pas, les immigrés ne pouvaient pas créer une association s'il n'y avait pas un Belge de souche parmi eux. Et il y a le droit de vote, par exemple, c'est le premier pays, c'était la Hollande. Pardon, c'est un plaisir. Merci d'activer le micro. Oui. Ça va maintenant? Ça va, oui, ça va. Donc je reprends. Donc, je dis que
la citoyenneté, ou plus précisément la double citoyenneté, a connu et connaît des acquis et des régressions dans les différents pays d'origine, comme dans les différents pays d'accueil. Par exemple, on est arrivé grâce au militantisme et à la solidarité de la société civile des pays d'accueil, comme les associations des droits de l'homme, les ONG caritatives, la Croix-Rouge, les associations des églises. Et on a réussi à avoir... À arriver au droit de regroupement familial, le droit d'association. Par exemple, en Belgique, les immigrés ne pouvaient pas créer des associations s'il n'y avait pas la présence d'un Belge de choses. Le droit de vote aux élections locales, c'était d'abord la Hollande et puis la Belgique. Mais aussi, il y a des régressions. Par exemple, on a perdu des droits en termes de radio libre, en termes de regroupement familial. Les Belges d'origine marocaine et d'origine turque ne pouvaient plus faire venir leurs parents. Et puis aussi, il y a l'ingérence directe dans la gestion des affaires du culte musulman, c'est flagrant. Et puis, il y a toute cette islamophobie maintenant galopante sur toutes les chaînes de radio et de télévision, et les concernés, c'est-à-dire les associations musulmanes et les associations islamiques d'autres pays, n'ont pas droit au chapitre pour répondre, ou bien tellement pour meubler un petit peu les programmes. Et puis, il y a la question avec nos pays d'origine. Et dans nos pays d'origine, il n'y a que des régressions. Et c'est vrai, quand on émigre vers un pays où on profite des droits et des acquis. Abdo, tout à l'heure, a évoqué la régression des droits de l'homme en Europe. Oui, c'est vrai. Mais dans nos pays d'origine, c'est pire parce que, par exemple, le cas du Maroc, oui, connaît une régression, actuellement une régression en matière des droits de l'homme, droit d'expression, la presse, le droit d'association, etc. Et puis, le comble, c'est que nos droits de citoyens marocains, il n'y a aucune reconnaissance. Nous sommes l'une des rares diasporas à ne pas avoir le droit de vote, à ne pas être représentés dans les deux chambres et dans les différents conseils de gouvernance qui sont maintenant constitutionnalisés. Et puis avec la complicité du gouvernement marocain, de l'État profond et du gouvernement de l'ombre, et avec les partis politiques. Et surtout parce que quand il y avait une revendication qui était légitime d'avoir un ministère chargé des Marocains, et maintenant, et aussi un conseil. Et maintenant, le conseil ne fait que s'opposer à nos droits de citoyens de vote. Et en complicité avec le ministère, qui sont maintenant les deux principaux ennemis, je dis bien ennemis, de notre diaspora maintenant. Et ça aussi se fait avec la complicité des ambassades, des consulats, et puis, il n'y a aucun lien de notre citoyenneté. Les associations ne sont pas reconnues, ne sont pas considérées, ne sont pas prises en compte. Et donc, on parle même dans le cadre maintenant de la religion, il y a un concept vraiment ridicule, c'est la sécurité spirituelle, je ne sais pas quoi. Bien sûr, il faut imaginer une police spirituelle. Et cela se fait aussi avec la complicité de beaucoup d'associations de nôtres et des acteurs associatifs qui baissent les bras et qui sont légitimes et qui donnent écho à ces régressions, ne les dénoncent pas, ou bien c'est un double jeu. Donc je me contente de cela pour prendre la parole après s'il y a des commentaires ou bien pour développer d'autres idées. Merci. Merci, Céris. Je rappelle qu'il est de Bruxelles, de Belgique. Donc, merci pour cette intervention. La parole est à Mahou Ahmed, qui est aussi de Belgique et qui va parler des droits sociaux, droits immigrants et aux réfugiés dans les pays d'accueil. La parole est à Mahou. Oui, bonsoir.
Est-ce qu'on m'entend? Oui, monsieur Mahou, oui. Oui, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Merci et bonsoir aux invités, aux organisateurs. Déjà, ceux qui m'ont précédé ont introduit pas mal de choses. J'ajouterai juste quelques remarques. Une des remarques par rapport au recul des acquis sociaux et politiques des migrants dans les pays de résidence, c'est la crise que connaît ces pays depuis finalement l'aube du 21e siècle, c'est-à-dire après l'an 2000. Et les ingérences de ces pays, directement ou indirectement, dans les pays du Sud, qui sont pourvoyeurs de flots de réfugiés et d'immigrés aussi. Ça a eu comme conséquence justement ce que nous vivons aujourd'hui comme islamophobie, comme anti-immigration et remise en question de ces acquis. Ça, c'est une des remarques que je ferai par rapport à l'introduction. Alors, je prendrai juste un rappel très, très bref par rapport à la question historique, c'est-à-dire les étapes qu'a traversé l'immigration, et notamment l'immigration venant de l'Afrique du Nord, depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire elle a connu trois étapes. En bref, la première, c'est celle d'après-guerre, c'est-à-dire participation à la construction de l'Europe. Ça a été simplement fait avec des mains-d'œuvre masculins pour la plupart. Et puis, suivi donc jusqu'aux années 70 ou 70, suivi par après par des accords bilatéraux entre les pays pourvoyeurs de main-d'œuvre et les pays de résidence. Et d'ailleurs, pendant cette période, en 1964, a eu lieu un accord bilatéral entre notamment la Belgique et le Maroc, suivi par la Hollande et d'autres pays. Donc ça a stipulé des accords d'importation de main-d'œuvre, qui, cet accord justement, aujourd'hui, qui est devenu désuète, c'est-à-dire qui n'est pas du tout pratique, qui doit être non seulement revu, mais rejeté parce qu'il n'est plus en cours, du fait qu'il s'agit simplement d'organiser la main-d'œuvre venant de ces pays, le transfert de leurs gains vers les pays d'origine et la question des regroupements familiaux. Simplement ça. Donc, tout ce qui concerne l'identité, la culture, la religion, tout cela n'a jamais été cité dans ces accords bilatéraux. Et donc ces accords sont restés pratiquement dépassés dès le départ. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ils sont désuets et ils doivent être non pas revus, mais exactement rejetés, renouvelés avec d'autres accords qui tiennent en compte la situation dont parlait juste avant moi M. Aziz, de la bicitoyenneté, de la double appartenance et aussi de la plénitude des droits de l'homme, essentiellement d'ailleurs conçus par des accords internationaux à partir des années 90, c'est-à-dire des accords concernant la plénitude des droits pour les migrants dans les pays où ils se trouvent, notamment la pleine citoyenneté, l'exercice de leurs droits politiques et aussi leurs droits à leur culture. C'est très important parce que ces accords, c'est de cela que nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire de ces dépassements ou du respect de ces accords. Et la troisième période, justement, c'est celle à partir de 2000 jusqu'à maintenant, jusqu'en 2021, qui concerne toutes les remises en question des acquis des émigrés dans les pays d'origine. Les acquis, je parle par exemple des regroupements familiaux, par exemple des acquis sociaux, économiques et politiques.
on parle entre guillemets de l'intégration, donc une parfaite intégration de ces populations et des générations d'ailleurs qui sont nées dans ces pays d'origine. Tout cela a été remis en question et des voix commençaient à s'élever pour dire que le modèle d'intégration a échoué, que ces immigrés ne s'intègrent pas, alors que dans la réalité, c'est le contraire qui s'est fait, c'est-à-dire que les immigrés, les jeunes, la jeunesse de l'immigration a bien avancé, mieux que les parents, un peu mieux lotis que les parents, puisqu'ils commençaient à participer pleinement dans toutes les sphères de la société, notamment dans l'insertion dans le travail, dans les postes de responsabilité et même dans les postes de politique, comme on le voit aujourd'hui. Mais reste donc aujourd'hui des questions énormes qui se posent quant à ces remises en question. Un, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ces accueils des nouveaux arrivants ? Remarquons au passage que les flots des émigrés et des réfugiés qui arrivent en Europe est beaucoup moindre que ceux que subissent les pays limitrophes où des conflits se passent, dans les pays du Sud. Exemple, le Moyen-Orient. Ce sont les pays limitrophes des conflits qui reçoivent la plupart, sinon la majorité des réfugiés et des déplacés et des immigrés. Je parle de la Jordanie, je parle de du Liban, je parle de la Turquie et ainsi de suite. Donc c'est la preuve que l'Europe a fait un recul effectivement, par rapport à la politique qu'elle défendait auparavant, celle de l'accueil des réfugiés, celle de l'accueil des immigrés, et donc tout est remis en question. À côté de cela, évidemment, il y a la montée de tous les courants chauvinistes, nationalistes, comme a souligné Abdou, et donc le racisme là. Il y a aussi les problèmes aujourd'hui, ce qu'on appelle le problème de faciès, c'est-à-dire il y a des postes, il y a des problèmes à l'embauche, par exemple, quand tu t'appelles Mohamed, ce n'est pas la même chose quand tu t'appelles Alain. Et donc, des expériences ont été faites pour démontrer effectivement qu'il y a un racisme par rapport à l'embauche de nos jeunes. Avec les mêmes diplômes, ils sont refoulés, ils sont repoussés, ils ne trouvent pas aussi facilement le travail auquel ils peuvent avoir accès. Ça, ce sont donc des problèmes qui se posent aujourd'hui et qui nous posent problème, ou plutôt qui nous poussent à questionner les pays européens. Au-delà de l'union qu'ils ont entre eux, par rapport à ces questions de l'immigration, de l'asile et des réfugiés, il n'y a pas d'union, il n'y a pas de politique européenne. Il y a des politiques européennes. Chaque pays s'est recroquevillé sur lui-même, s'est retranché derrière les frontières et a commencé à énoncer des politiques tout à fait différentes les uns des autres. Et ça pose problème, effectivement, par rapport à cette question d'intégration et de vivre ensemble. Bien sûr, je ne parlerai pas des interventions concernant le culte, notamment musulman. Aujourd'hui, on commence à voir des reculs catastrophiques par rapport à ces questions-là et d'ingérence inacceptable l'organisation de ces cultes dans les pays où nous résidons. Ça, ce sont des questions donc, qui se posent. Bien sûr, il y a d'autres questions, c'est celles qui ont trait au pays d'origine, à notre pays d'origine, qui manque d'accompagner l'immigration, qui manque de défendre, d'apporter le soutien aux luttes que les immigrés continuent de mener pour garder leurs acquis. Et un autre exemple, c'est que, par exemple, les médias, les outils de communication de ces pays-là vraiment donnent une très mauvaise image des citoyens qui sont à l'étranger. Et ils n'accompagnent en rien l'immigration, ce qu'elle vit. Oui, pardon. Oui.
Je vous écoute. Vous avez moins d'une minute pour terminer. Oui, d'accord. J'étais presque à la fin. Donc, je soulignais simplement le manque de soutien des instances du pays d'origine qui doivent être vraiment aussi derrière ces luttes que les immigrés mènent dans les pays de résidence. Voilà, j'ai fini pour l'instant. Merci. Merci, Simcho, pour ces informations et interventions riches. Le tour est à Mme Aïcha Bacha, chercheure en migration à l'Université libre de Bruxelles. Oui. Vous la parole, Mme Aïcha. Oui, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Super, super. Donc voilà. Allez-y. Oui, merci à vous. Donc voilà, ma présentation portera sur deux points. D'abord, je vais faire un état de lieu de la situation de la migration des femmes de manière générale pour arriver au deuxième point qui est de parler des infractions liées aux droits de fondamentaux des migrantes marocaines. Comme vous savez tous, la migration des femmes n'est pas un phénomène nouveau. Malheureusement, elle augmente de manière exponentielle avec l'augmentation de la vulnérabilité des femmes, que ce soit des femmes réfugiées ou des femmes migrantes de manière normale. Si, par exemple, vous allez me demander de vous dresser un portrait typique d'une femme migrante, je ne serai pas en mesure de vous le donner. Pourquoi? Parce qu'en fait, les motivations sont tout à fait différentes. Les trajectoires l'ont aussi. Donc, certaines fuient les persécutions pour des motifs, par exemple, d'appartenance à un groupe social particulier. Donc, et là, je cite les Pakistanaises, par exemple, les opposantes iraniennes, les opposantes afghanes aussi. Il y a certaines qui fuient les persécutions pour des motifs d'opinion politique. Là aussi, je peux citer quelques militantes iraniennes. Il y en a d'autres qui fuient les persécutions pour des motifs religieux. Et là, par exemple, je parle des femmes yézidites. Il y en a d'autres qui fuient la pauvreté, la précarité et donc qui cherchent une vie décente. Et donc là, je parle de mes compatriotes, donc des migrantes marocaines, certaines migrantes marocaines. Donc, comme vous savez, pour arriver déjà à l'autre rive, malheureusement, certaines migrantes empruntent des chemins qui les font tomber dans des mains de mafieux, donc de personnes qui font de la traite des êtres humains. À ce moment-là, elles deviennent victimes d'exploitation, donc des exploitations de tout type, de mauvais traitements, de viols parfois, et même elles se trouvent parfois enrôlées dans des réseaux de prostitution. Il y a même récemment l'Organisation internationale des migrations qui faisait part de son inquiétude par rapport à la formation carrément d'un marché aux esclaves en Libye. Donc la situation des droits des migrantes est de plus en plus en dégradation. Là, j'aimerais juste compléter Silnebhi par rapport au protocole qui régule les droits de la femme migrante et qui est donc qui se base sur la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et la traite des personnes, en particulier de tout ce qui est femmes et enfants. Donc malgré les recommandations des Nations Unies, malgré les recommandations de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, malgré la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence vis-à-vis de ces femmes migrantes, vis-à-vis de leur situation, il n'y a pas grand-chose qui a été fait dans ce sens. Les femmes migrantes, malheureusement, se trouvent dans une situation de précarité. Sur le plan sanitaire, pardon, je ne vous entends pas très bien. Non, continue, madame. OK. Donc, sur le plan de leur santé, ces femmes souffrent de maladies psychotraumatiques, malheureusement, qui peuvent entraîner des lésions profondes, voire des vulnérabilités et des pathologies à vie. Ça, c'est sur le plan sanitaire. Sur le plan politique,
Le discours dominant, comme ont signalé avant moi Silmine Bhi, Abdelaziz et Simahou, donc il y a une montée en puissance des partis politiques. La xénophobie et le chauvinisme donc, rend les migrants, surtout ceux qui sont entrés sur les territoires européens illégalement, non pas comme des victimes, mais en tant que criminels. Sur le plan social, il y a une dégradation sociale et économique depuis déjà 2009. Il y a une augmentation du nombre de femmes réfugiées. Donc, je vais vous donner ici l'exemple des femmes migrantes accompagnées d'enfants dans des bidonvilles et des squats à Calais, en France. Donc, leur situation est vraiment catastrophique. Il y a l'absence des conditions minimales, décentes pour les accueillir. Donc, ces infractions, à mon sens, vis-à-vis des femmes migrantes sont de plus en plus acceptées et donc pour les Européens, c'est une caractéristique inévitable des conflits. Donc ce sont des gens qui ont fui la guerre, qui sont venus chez nous, donc elles doivent supporter. Le Fonds des Nations Unies pour la population et Women Refuge Commission ont formulé un ensemble de recommandations dans ce sens, mais malheureusement, rien n'a été fait. Donc, ce sont des recommandations qui restent toujours que de l'encre sur papier. Alors, là, je vais mettre l'accent sur nos Marocaines, donc les Marocaines du monde. Déjà, pour parler des Marocaines du monde, ça pose souci, même sur le plan terminologique. Ben pourquoi? Parce qu'en fait, il y a carrément une absence de consensus par rapport à l'appellation adéquate. Une appellation qui nous convienne. Vous pouvez entendre les Marocaines du monde, vous pouvez entendre les Marocaines, vous pouvez entendre les femmes d'ici et d'ailleurs, vous pouvez entendre les femmes des deux rives. Donc, il y a un vrai problème terminologique à la base. Il y a certes une féminisation de cette migration, déjà depuis 1970. C'est après la guerre, donc après la crise plutôt économique qui a envahi le monde. Donc, il y a eu la fermeture des frontières européennes et l'imposition des visas. Beaucoup de travailleurs marocains ont décidé de se regrouper familièrement, donc de se regrouper en famille avec leur conjointe. Mais à cette période-ci, tous les débats politiques et toutes les recherches académiques abordaient la migrante non en tant que quantité indépendante, mais plutôt comme rejoignante. Donc, c'est une femme qui a rejoint son mari, ou c'est une fille qui a rejoint son père, ou c'est une maman qui a rejoint le migrant, donc l'ouvrier. Et non pas en tant que citoyenne tout à fait indépendante et normale. À l'époque, ces femmes-là, ces migrantes-là, ont joui d'une certaine liberté et d'une forme d'égalité dans certaines situations, bien sûr. Malheureusement, elles étaient peu qualifiées sur le plan professionnel, marginalisées par rapport au marché du travail, mais elles ont pu s'intégrer avec le temps. Donc là, on parle de la féminisation de l'immigration normale, c'est-à-dire régulière. Donc, quand elles viennent ici, c'est avec leurs papiers. Mais début des années 90, le Maroc a assisté à une féminisation, mais cette fois-ci de l'immigration irrégulière. Ben pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu une vague de femmes qui ont décidé de franchir les frontières, qui souffrent de grandes précarités, qui ont peut-être échoué leur mariage et ont décidé de partir ailleurs, chercher autre chose ou chercher carrément du travail. Une autre vague arrive, donc d'autres profils de femmes. Cette fois-ci, ce sont des jeunes étudiantes qui ont choisi d'émigrer vers l'Europe, le Canada, les États-Unis, et ce, pour poursuivre des études. Alors, pour cette vague-ci, elles ont quand même réussi à occuper des postes à responsabilité dans le monde entier. Vous pouvez trouver des ingénieurs, des PDG dans des firmes, par exemple Solvay, des chercheuses en microbiologie, des sociologues, des journalistes. Donc, ce sont de la main-d'œuvre très qualifiée, professionnellement parlant, et même le niveau intellectuel est très haut. Donc, il y a carrément un changement de profil de la femme migrante marocaine. Donc,
J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de profil homogène de la femme migrante. Donc voilà. Mais j'insiste aussi que toutes ces femmes-là ont des caractéristiques en commun. À l'étranger, la femme marocaine émigrée subit plusieurs stigmatisations. Donc, même dans ses droits les plus élémentaires. Donc, d'abord, en tant que musulmane, de culture ou de confession, et en étant arabe ou africaine. Et comme l'ont souligné Sylmen Bhi, Saad Aziz et Semahou, déjà le débat du port de voile en France et en Belgique, on est un grand témoin. Même quand elles sont binationales, à chaque fois, elles doivent revendiquer une égalité de traitement et elles doivent rappeler qu'elles sont des citoyennes à part entière. Alors, aussi par rapport aux discriminations, donc on peut transposer la discrimination que subit l'homme migrant sur la femme aussi. L'exploitation pour celles qui travaillent comme travailleuses saisonnières ou comme aides domestiques, parce qu'en fait, ce sont une catégorie qui n'ont pas vraiment des droits ici en Europe. Ces femmes-là souffrent aussi de la non-application ou parfois la mauvaise application des nouvelles législations marocaines ici, en cas de divorce, en cas de déclaration ou d'enregistrement de la naissance au consulat. Donc, ce sont des points en commun, des problèmes rencontrés par ces femmes-là. Il y a aussi le mauvais traitement de la part des missions diplomatiques marocaines à l'étranger vis-à-vis de ces femmes. Il y a aussi les problèmes d'intégration et puis tous les problèmes qui y sont liés, même les problèmes identitaires, les problèmes du terrorisme, de la criminalité de leurs enfants et les problèmes de xénophobie, d'exclusion. Et ces femmes-là, quand elles partent chez elles, au Maroc, au Bled, il y a une grande partie d'entre elles qui souffrent de l'inégalité au sein de leur propre famille même. Ici, elles sont considérées comme des femmes blédards qui viennent ici menacer l'unité de la famille qui existait, le noyau de la famille qui existait ici depuis longtemps, et aussi des femmes qui vont profiter du système. Et là-bas, chez elles, elles sont considérées comme étant une femme d'ailleurs qui n'est même pas décrite en tant que telle. On l'appelle Sahab al-Kharij, Jayam al-Kharij, ça veut dire qu'elle vient d'ailleurs. Elle n'a même pas un descriptif adéquat. Elle souffre aussi de la paralysie et de la lenteur de l'administration marocaine lors de retour au bled. Si elle a des problèmes d'immobilier, si elle a des problèmes, si elle veut demander par exemple le divorce, elle doit être là minimum une fois pour pouvoir le réclamer. Je ne vais pas trop détailler, mais j'aimerais quand même signaler que la problématique de la femme migrante nécessite obligatoirement une prise en charge de la réalité de ces femmes-là et surtout une confrontation de tous les textes juridiques donc, que notre Constitution nous donne avec la pratique. Et là, j'aimerais revenir sur les articles de la Moudawana, les articles 49, 236 et 238 du Code de la famille, qui contiennent des failles, des discriminations envers nous en tant que femmes. Donc, c'est vraiment à abroger le plus tôt possible. Et je me demande aussi, comment se fait-il que nous n'avons jamais pu avoir une femme à la tête du gouvernement marocain? Comment est-ce que une femme marocaine n'a encore pas pu être désignée à la tête de l'Assemblée des représentants? Comment est-ce qu'on n'a pas réussi à avoir une femme à la tête de la Chambre des conseillers? Et je me demande aussi, quand est-ce qu'on aura une vraie présence de nos femmes dans les postes de décision? Quand cela-t-il sera possible? Et j'insiste qu'il faut consolider la culture du genre dans nos lois et dans nos institutions. Et j'aimerais conclure ma présentation avec la citation de Nelson Mandela qui dit « Priver les gens de leurs droits humains revient à contester leur humanité même. » Donc, soit on nous donne nos droits, soit on va les arracher. Et vaut mieux qu'on nous donne nos droits. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, madame, pour cette
intéressante intervention. Je passe tout de suite la parole au professeur Belguindos, qui est, comme j'ai dit, le doyen des chercheurs en migration au Maroc, de la migration des compétences et le droit. À vous la parole, professeur Abdelkrim Belguindos. À l'heure actuelle, bonsoir tout le monde. À l'heure actuelle, un des thèmes qui est à l'ordre du jour, c'est justement ce que l'on appelle généralement l'exode des cerveaux ou bien la fuite des compétences. Enfin, j'y reviendrai parce qu'il y a, une série d'appellations. Et tout à l'heure, on a évoqué dans le cadre de l'Union européenne la volonté essentiellement de lutter contre les droits humains des migrants, de s'opposer à la venue des ce qu'on pourrait appeler les sudistes, de contrecarrer également la venue des réfugiés, d'encourager par contre les retours et les réadmissions. Mais il y a un autre élément que l'Union européenne met en avant, c'est essentiellement ce qu'on pourrait appeler un petit peu une entrave au développement des pays d'origine, et ce, par le drainage, la captation et l'attirance en son sein des compétences, des talents des pays du Sud. Donc c'est essentiellement, alors quand on parle évidemment de compétences, c'est au sens large. C'est à la fois au plan, il n'y a pas que les diplômés universitaires, mais il y a également tous ceux qui ont acquis un savoir accumulé, qui ont acquis des compétences techniques, économiques, managériales, ainsi que le savoir acquis sur le terrain. Et même on peut élargir plus, on peut donner une définition beaucoup plus large en revenant à une formule que disait le regretté Mahdi El-Manzra lorsqu'il parlait des compétences des pays du Sud. Ils disent qu'ils conçoivent ces compétences, ils veulent les attirer de la tête aux pieds, à la fois au plan intellectuel, mais également au plan sportif, etc. Et cette question, elle est évidemment très importante parce que, d'un côté, elle entrave le développement des pays d'origine et, d'autre part, elle est présentée au niveau de l'idéologie dominante, au niveau des partisans de l'économie libérale, des intégristes du néolibéralisme, et les présenter simplement comme un droit, le droit à la mobilité, le droit à participer à la mobilité internationale. Alors, ce qu'il y a de grave dans le pacte, en plus de ce qu'a développé notre ami Abdoum Nebbi, il y a cette volonté d'institutionnaliser la chasse aux têtes et aux compétences du Sud. Le pacte européen, le nouveau pacte européen, il dit lui-même, il dit que l'Union européenne est en train de perdre la course mondiale aux talents parce que il y a le vieillissement de la population, il y a une pénurie au niveau de la main-d'œuvre qualifiée. Et ils intègrent ça, évidemment, dans le cadre de ce qu'ils appellent la facilitation de la migration légale. L'Union européenne, elle nous présente toujours la chose comme, évidemment, bon, ils luttent contre l'immigration irrégulière,
mais ils encouragent la migration légale. Mais en fait, dans ce cadre, ce qu'ils appellent la migration légale, c'est essentiellement le drainage des compétences des pays du Sud. Ils veulent également toujours renforcer, retenir les étudiants et retenir les meilleurs, c'est comme ça qu'ils les expriment. Et puis, il y a une nouvelle disposition qui apparaît chez eux, c'est l'examen de ce qu'ils appellent un réservoir de talents européens pour les travailleurs qualifiés de pays tiers à partir duquel l'Union européenne pourrait puiser à volonté. Je cite la, une citation, elle est très courte. Ce réservoir pourrait servir, c'est l'Union européenne qui parle, ce réservoir pourrait servir de plateforme à l'échelle de l'UE en vue de recrutements internationaux sur laquelle les ressortissants qualifiés des pays tiers, les pays africains par exemple, de manière générale, pourraient indiquer leur souhait de migrer vers l'UE et d'être identifiés par les autorités compétentes en matière de migration et par les employeurs de l'Union en fonction de leurs besoins. Alors, observons ici, évidemment, que évidemment, l'Union européenne, elle veut s'interdire de s'ingérer ou d'intervenir, disons, ouvertement dans ces recrutements. Ils parlent simplement, veulent répondre aux souhaits de migration des personnes concernées. Alors, ils s'inscrivent et eux, évidemment, il ne faut que répondre au libre arbitre. Ils ne font que répondre à la volonté personnelle des gens concernés. Et donc, de ce point de vue, il n'y a nullement une captation ou une exploitation, disons, pour utiliser un autre terme, des compétences. Alors qu'au même moment, évidemment, bon, ils présentent toujours l'immigration comme un moyen de développement. Et puis également, dans le rapport, ils présentent également l'aide au développement des pays d'origine qui constituerait également une des bases de leur politique. Alors, si cette attitude, qui est une attitude pratique, c'est pas simplement au niveau des principes, maintenant, disons, non, le pacte, il a été adopté au niveau du Parlement européen, il est en train de l'être au niveau des parlements des pays membres de l'UE, et évidemment on va essayer de l'imposer au niveau de tous les éléments dont on a parlé jusqu'ici au niveau des pays du Sud. Mais sur ce plan-là, au niveau de la captation des compétences, malheureusement on trouve certains responsables gouvernementaux ou bien des responsables institutionnels dans les pays du Sud qui exprime en quelque sorte une certaine proximité intellectuelle dans la mesure où ils défendent à peu près les mêmes idées en disant pratiquement qu'il ne faut pas parler d'exode des cerveaux ou bien de fuite des compétences, mais il faut parler de mobilité internationale, il faut parler de mondialisation migratoire, il faut parler de globalisation migratoire. Je vous donne simplement quelques petits exemples à partir du Maroc. Le président du CCME dit ceci, s'agissant de l'exode des compétences, dit, ceci relève en fait l'entrée du Maroc de plein pied dans la mondialisation migratoire. Comme c'est joli, hein? Voilà, au niveau de l'expression. Et il ne parle absolument pas de ce fait comme une perte, un gâchis ou un pillage des pays d'origine, le fait de parler également de d'hémorragie des compétences. Or, à mon sens, les pays du Sud subissent de plein fouet une perte significative à deux niveaux au moins. La première perte, elle est liée au fait que la fuite des compétences est un handicap sérieux qui réduit les capacités en termes de savoir et de savoir-faire. Il entrave l'éclosion technologique
c'est une perte non seulement au niveau qualitatif, mais également au niveau quantitatif. Lorsque l'on voit, par exemple, qu'au niveau de l'Afrique, elle est grande pourvoyeuse de médecins. Nous avons également des ingénieurs, des universitaires, des hommes d'affaires, etc. Je me rappelle lorsque on avait posé la question, certains députés avaient posé la question ici au Parlement, le ministre de l'Enseignement supérieur, au lieu de reconnaître le fait, puis d'essayer de le combattre, de trouver des solutions, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que par cette émigration, on prouve en fait la qualité de l'enseignement au Maroc. On prouve la qualité de l'enseignement supérieur au Maroc. Hein? Voilà. La deuxième perte, c'est une perte évidemment au niveau des finances publiques, puisque tous ces cadres ont été formés par les États du Sud et les familles ont également contribué dès la naissance au niveau de l'entretien, au niveau, enfin, de ramener au moins les personnes au moins jusqu'à l'âge adulte. Et dans ces, au niveau de ces responsables, il y a en quelque sorte une sorte de déni de ces pertes. Donc, ils ne considèrent pas cet exode comme un handicap, comme une entrave au développement, mais ils le considèrent au contraire comme une opportunité, un atout et l'exercice d'une simple liberté de choix. Ils mettent en avant beaucoup cet aspect. Les ingénieurs, dans leur esprit, les médecins, etc., ils ne font qu'exercer leur liberté de choix. Je cite encore le président du CCME, il y a une véritable compétition internationale pour attirer les compétences de haut niveau. C'est une guerre internationale. Donc, il faut que nous menions cette guerre et, à mon avis, ne pas réfléchir en termes de retour. Donc, même les gens qui partent, ils doivent rester et contribuer au développement des pays. Ça, c'est une citation que j'ai trouvée durant ces dernières années. Mais le même responsable a présenté à la Commission pour la rénovation du développement une note, enfin un mémorandum sur cette thématique où il défend la même chose. Hein? Nous avons également, par exemple, un autre exemple, le directeur général de l'ANSEC. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? La fuite des cerveaux, je ne la connais pas. Je ne la reconnais pas. C'est au contraire une règle de base des droits humains. Professeur. Je termine. Il n'y a pas de fuite, il n'y a que de la mobilité. Donc pour lui, essentiellement, on transforme les mots, on joue sur les mots, on modifie la terminologie pour faire perdre à ce fait tout son sens. Et donc, au lieu de parler d'exode des cerveaux, on préfère parler de mobilité internationale, de gouvernance mondiale, gouvernance migratoire, de mondialisation migratoire, etc. Voilà. Donc, il y a évidemment, y compris donc au niveau de la terminologie, elle est importante. Ce n'est pas simplement une querelle de vocabulaire, mais on doit utiliser les bons mots pour délimiter un certain nombre de faits. Alors, sur cet aspect, lorsqu'on aborde dans le débat public ces aspects, que disent les intégristes de la mondialisation migratoire ? Ils disent, bon, ben, on n'a qu'à former plus de cadres pour répondre aux besoins internes. C'est-à-dire, au même moment, en fait, continuer à exporter, parce que ça fait partie de la mobilité internationale, ça fait partie de la mondialisation migratoire, mais pour répondre aux besoins internes, il faut former plus. Et puis également, qu'est-ce qu'on trouve également, par exemple, dans ce mémorandum qui a été remis à la Commission pour la révision du développement ? S'agissant, le Maroc reçoit, dans le cadre de la coopération, un nombre conséquent d'étudiants des pays d'Afrique subsaharienne.
Que propose ce mémorandum? Eh bien, il dit, voilà, il faut que les étudiants, il faut qu'ils soient formés, on doit les capter au niveau national. Donc, on doit faire la même chose que, font les pays du Nord par rapport aux pays du Sud, de manière générale. Et puis, je termine par deux points. Lorsqu'on parle des compétences et de leur... il faut prendre les compétences. Les compétences sont d'abord... il n'y a pas que des compétences. Il y a également un certain nombre de travailleurs immigrés qui sont... qui connaissent, qui sont dans la précarité, qui ne sont pas qualifiés, etc., mais dont il faudrait également s'occuper. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, lorsque, au niveau de certains pays, y compris au Maroc, on met en avant les compétences marocaines à l'étranger, etc., eh bien, il faut se rappeler que ces compétences doivent être considérées d'abord comme des citoyennes et des citoyens, avec tous leurs droits, y compris leurs droits politiques et leurs droits citoyens par rapport au pays d'origine. Le droit de vote et d'éligibilité dont on a parlé, le droit de représentation au niveau de toutes les instances consultatives, le droit de participer à la gestion et à l'élaboration et au suivi des politiques publiques. Et donc ça, c'est un élément très important. Et puis, juste simplement une idée, parce que dernièrement, on a vu que la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l'étranger, elle ne parle que des compétences, compétences marocaines à l'étranger. Et elle a indiqué dernièrement au Parlement qu'elle a envisagé un plan d'ici l'an 2030 où elle va mobiliser d'une part 50 000 Marocains investisseurs. Donc, on continue à voir dans l'émigration uniquement l'aspect rentier, l'aspect utilitariste. Mais là, on rappelle, avant d'être également, si les gens veulent effectivement investir au Maroc, on doit considérer les citoyens marocains également à l'étranger. Ils veulent également s'investir au plan politique, au plan citoyen. Et puis également, elle a parlé d'ici l'an 2030, donc dans une dizaine d'années, de repérer, dit-elle, et de recruter 10 000 cadres et de compétences marocaines. Là aussi, d'abord, les compétences sont beaucoup plus larges en Europe. Il n'y a pas ce chiffre. C'est un chiffre très minime, évidemment. En soi, il est important. Mais ce qu'il faudrait, c'est il faudrait au moins être ambitieux dans ces projections. Et puis en même temps, au même moment, comme je l'ai dit encore une fois, ces compétences doivent être considérées également au niveau de leur citoyenneté pleine et entière. On voit mal comment, notamment des gens des pays du Sud, un certain nombre de pays du Sud, notamment par exemple l'Algérie, le Sénégal, la Mauritanie, l'Égypte, etc., ils peuvent organiser dans les pays d'accueil des élections pour que dans les circonscriptions électorales à l'étranger, leurs citoyens puissent participer au développement démocratique et politique et pas simplement au développement économique de leur pays. Et pourquoi on ne peut pas le faire au niveau du Maroc? Donc, il y a un certain nombre d'exemples au niveau des pays africains. Et comme le Maroc est également leader, j'allais dire, au niveau de l'Union africaine, à travers notamment l'agenda africain de la migration, eh bien, il faut tirer profit des bonnes pratiques au niveau d'un certain nombre de pays du Sud que l'on retrouve en bonne partie en Afrique. Merci. Merci, professeur Belgui. Pour le sujet que nous reviendrons sur cette question dans les commentaires, je passe la parole à la dernière intervenante, et non la moindre, Madame Aïcha Mazouz,
qui va nous parler des obstacles des migrants, des obstacles à l'exercice par les migrants du droit de participer au développement du pays d'origine. La parole est à Madame Aïcha Mazouz. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Madame Aïcha Mazouz, oui, vous oui. êtes là? Oui, 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 il est là, il est là. Oui, Madame Mazouz. D'accord, vous me recevez, c'est bien. Bon, merci, Monsieur le Président et modérateur. Chère assistance, bonsoir. Mon intervention, comme l'a indiqué, remercier Monsieur Saf, le droit des immigrés à la participation au développement de leur pays d'origine. Côté obstacle. Oui, la participation au développement va être appréhendée dans cette intervention en tant que droit et non pas en tant que devoir pour s'inscrire d'abord dans la logique de la thématique de l'atelier et puis parce que la participation au développement, comme l'a indiqué notre professeur M. Bulgendouz, c'est une illustration de la démocratie participative. Parce que les immigrés ne veulent plus se contenter de financer les projets de développement, mais un projet, ça se conçoit, ça s'élabore, ça se gère et ça s'évalue aussi. Donc, le citoyen, un résident ou immigré veut participer dans toutes ces étapes de projet. Donc, avant l'évolution vers cette appréhension du développement en tant que droit, la relation entre développement et migration a toujours été binomiale. La migration vise en premier lieu le développement. Donc, un petit rappel qui relève de l'élémentaire, surtout concernant le niveau de ce panel. L'immigration, elle promeut le développement au sens économique du terme, c'est l'emploi, c'est les transferts financiers ou en nature, c'est ceci qui a des impacts sur le pouvoir d'achat, sur la création de secteurs productifs, la pauvreté en général, on essaie d'abaisser le niveau, si on participe dans le bien-être des populations, un chiffre particulièrement éloquent, le transfert des Marocains a atteint, les transferts ont atteint 5% en pourcentage du PIB national du Maroc, selon le rapport de l'OCDE de 2017. Mais avec le temps, avec la mondialisation, avec l'approche droit qui se cultive de plus en plus, à côté de l'adjectif économique, bien le social, l'environnemental, le culturel, pour qualifier le développement. Et l'on commence à parler de gouvernance, de participation, de démocratie. Donc, focalisons un petit peu côté la revue de la littérature, la participation citoyenne. La fameuse taxonomie qu'a développée Einstein, qui comporte 8 niveaux de la participation citoyenne. Dans le plus bas niveau, donc l'absence du pouvoir. Donc le citoyen, soit il est manipulé, soit il jouit d'une participation décorative. Le deuxième niveau, un petit pouvoir d'influence, c'est le droit à l'information, c'est le droit à la consultation, la plainte, la suggestion. Mais ces 4 aspects de la participation s'imbriquent au niveau consultatif. Il y a aussi l'apogée de la participation citoyenne. Là, je parle de niveau théorique. C'est un modèle à atteindre. Ou bien il y a des pays qui ont une longueur d'avance. Donc, le pouvoir ou le pouvoir partagé entre l'État et le citoyen. Donc, c'est le citoyen, il est partenaire. On peut même lui déléguer du pouvoir. Et là aussi, le pouvoir de passer au contrôle et d'évaluer le projet. Là, on parle de citoyenneté dans ces 3 dimensions classées selon les théoriciens. Là, je cite le mieux qui a avancé la citoyenneté ou bien qui l'a appréhendée en 3 dimensions, c'est le social, public et politique, selon un ordre croissant qui épouse un petit peu la logique
de la taxonomie via l'échelle d'Einstein. Maintenant, si on veut apposer ceci sur l'immigré, parce que c'est lui le héros de ce panel, donc si on veut l'apposer aux citoyens immigrés qui commencent à refuser la devise « Envoie ton argent et tais-toi », donc il veut participer. Donc, Peggy Leavitt a parlé dès les années 90 du siècle dernier, il a forgé le concept « transferts sociaux ». Et donc, « transferts sociaux », il englobe ces trois dimensions citées lorsque j'ai parlé de l'appréhension de le mieux de la citoyenneté. Donc, ces transferts, ils vont du calcage des règles de bonne manière, du savoir-vivre, ça c'est le niveau le plus bas, jusqu'à la promotion de la participation syndicale et politique. Donc, les immigrés ont joué un rôle très important dans ce genre de transfert qui veut dépasser le transfert financier ou bien en nature. Donnons l'exemple donc, qui va du calcage des bonnes manières à la participation politique en passant par l'influence sur les comportements sociaux. Exemple qu'avait avancé Bertoli et Marchetta dans une étude effectuée en 2015, ils ont démontré la relation de quelques pratiques avec la destination des immigrés de la région. Ils ont précisément parlé de l'immigré marocain qui a pu influencer, par exemple, des comportements comme le mariage et les naissances, l'immigration marocaine ayant pour destination première les pays de l'Europe, alors que les Égyptiens, par exemple, qui ont cette destination vers les pays du Golfe aux valeurs conservatives, ont vu répercuter cela négativement sur leur transition démographique. Concernant la logique de mon titre, qui parlait des obstacles qui entravent la participation citoyenne à part entière, oui, au Maroc, il y a des obstacles devant l'émigré à participer, et ce, malgré les articles qu'avait cités, remercier mes de la dernière version de la Constitution, l'article 16, 17, 18, 30 et 163, qui cadre un petit peu la participation dans le droit de vote, la représentation, l'éligibilité. Donc, tous ces droits sont vus congelés dans le texte de la Constitution et il manque de décret d'application depuis 2011. Si on veut faire une approche historique pour voir un petit peu l'explication de cet état de choses, donc les émigrés, ça je paraphrase un petit peu Thomas Lacroix qui s'est incliné sur les OSIM, les organisations de solidarité internationale des migrants. Donc les émigrés marocains étaient partenaires avec le régime, notamment le palais, dans le projet de l'indépendance. Ce projet a été un petit peu forgé dans les universités françaises. Les immigrés, les jeunes étudiants en France ont travaillé sur ce projet. Ce qui s'est passé, c'est que dès l'indépendance, au lendemain de l'indépendance, le premier texte de référence juridique, la première constitution, elle a été qualifiée de comme un texte qui institutionnalise le monopole du pouvoir. Et il a été réfuté par les émigrés. Donc, c'est le petit noyau, le premier de l'AMF, l'Association des Marocains de France. Et comme réaction, le palais a redouté cette citoyenneté forgée de l'extérieur. Du coup, le national se verrouille devant la participation politique citoyenne de l'émigré. Au niveau local aussi, il y a beaucoup d'obstacles parce que les notables des villages ou bien des territoires d'origine émigrés redoutaient la conversion de ce capital de la participation financière au développement
la conversion de ce capital en un capital politique. Donc, le local et le national étaient verrouillés devant la participation citoyenne. Ce qui s'est passé, c'est que l'immigré a contourné ce verrouillage national et il a contourné l'obstacle devant le politique par l'infrapolitique. Donc, l'infrapolitique, Scott désignait par l'infrapolitique tout ce qui est social, tout ce qui est qui n'est pas politique, une autre politique, une autre façon de ne pas faire le politique. Donc, et à contourner le local par le transnational, et là on voit les migrés impliqués dans des programmes internationaux de co-développement, de coopération décentralisée, même si cette coopération décentralisée se définit par la convention entre deux collectivités territoriales, celle du pays d'origine et celle du pays de résidence de l'émigré, il reste un petit peu, l'émigré y est pour quelque chose, c'est lui qui a forcé le destin et mettre devant les faits accomplis, les responsables. Donc c'est vrai que l'on tire profit, on se développe, mais ça reste une façon pour contourner. Il y a aussi des programmes internationaux comme l'initiative conjointe migration pour le développement lancée par l'OIM, qui était aussi une façon, c'est un petit cheval à trois qui permet aux immigrés de participer. Ceci concernant les obstacles que confrontent les migrés, le citoyen aussi confronte des, en général, mais ça n'exclut pas les migrés. Donc le résident aussi bien que les migrés, là je vais parler du problème qu'avait cité Madame Aïcha avant, celui de la qualité du service de l'administration. Donc, c'est une déclinaison déficitaire de la politique. Deux minutes. Même pas. Madame. Donc, de la politique de la région. Donc, cette déclinaison déficitaire, on décentralise, mais la déconcentration n'emprunte pas le même rythme que la décentralisation, parce qu'on ne veut pas perdre un certain contrôle sur les territoires. Puis aussi, il y a la modernisation de l'administration qui est aussi déficitaire et n'est pas au niveau des aspirations. Je vais conclure. La conclusion, la configuration, je veux présenter une configuration de la participation citoyenne. C'est un résumé de toute une revue de littérature et un travail de terrain. Elle se résume en deux aspects. C'est soit une invention de l'État. Donc là, il y a beaucoup de chercheurs, de scientifiques qui ont parlé, qui ont avancé le terme, notamment, je sais pas aujourd'hui, donc, où le citoyen remplace l'État qui se désengage. Mais aussi, il y a d'un autre côté la revanche des territoires. Sedjali, entre autres, en a parlé. Et cette revanche des territoires prend trois aspects. Soit les migrés se retirent de la participation, soit ils confrontent ou bien ils s'opposent, soit ils surpassent et ils entrent par la coopération internationale. Là, je présente l'exemple des OSIM, dont a parlé Thomas Lacroix, qui soit il s'accommode, soit il s'oppose. Sur ce, je ne veux pas déborder, ou si je ne veux pas anticiper sur les propos de nos collègues du 12e panel, je vous remercie et je cède la parole. Allô, merci, Madame Mazouz, pour votre intervention. Donc, je crois qu'on peut donner la parole aux participants
ouvrir un petit débat qui nous est imparti. Nous allons essayer de recueillir quelques questions, quelques commentaires de la part des participants et je reviendrai juste après. Madame Khadija. Et Madame Sheima. Madame Sheima, oui, Sheima. On vous écoute, oui, je vous remercie. D'ailleurs, un grand merci pour tous les intervenants, pour leurs interventions pertinentes. Donc, j'ai quelques remarques et je pense quelques questions. Donc, premièrement, il y avait en fait des idées ou bien par rapport à la situation critique de la femme migrante. Oui? Oui, vous m'écoutez? Ce sont des questions. Oui, Sheima, oui. Ce sont des questions. Donc, il faut préciser. Sheima. Ça. Sheima. 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 Je pense qu'elle a un problème de connexion. Oui, vous m'écoutez? Oui. Non, vous m'écoutez? Oui, Sheima, oui. Très bien. Donc, je remercie tous les intervenants pour leurs interventions très pertinentes. Et j'ai quelques idées ici au niveau des commentaires pour les deux applications, aussi bien au niveau du Facebook comme au niveau de l'application Zoom. Donc, premièrement, il y avait des idées par rapport à la situation critique de la femme migrante, même avec l'apparition des femmes migrantes élites dans différents secteurs. Il y avait aussi des remarques à propos de l'accompagnement insuffisant et de l'insuffisance d'accompagnement et des moyens de bord pour contribuer à l'évolution des pays d'origine. Aussi, il y a quelques questions. La première, c'était pour Monsieur Belguendouz. C'est comment traitez-vous la question de droit universel de migrer? Il y a aussi une autre question. Sont unanimes sur à l'ère numérique. D'après vous, est-ce que la question migratoire a connu des avancements quant à la promotion des droits de l'homme, tels que la liberté d'expression et aussi le droit d'association? Merci. Merci, Sheima. Oui, alors je ne sais pas si les intervenants auront enregistré quelques commentaires ou questions posées par les participants sur Facebook et sur Zoom. Si Abdel Haq, activez le micro. Et des coupures de son et personnellement, j'ai pas tout entendu. Intervenant en. De toute façon, je vais partager quelques questions. Oui. Alors, bonsoir. Bonsoir. Oui. En fait, je n'ai pas bien entendu. Est-ce que M. Abdel Haq veut qu'on essaye de répondre aux questions? C'est ça?
Oui, je pense que c'est ça. D'accord. Donc voilà, il y a quelqu'un qui m'a adressé une question par rapport aux femmes qui travaillent dans les fermes. Donc les femmes que l'on appelle les femmes des fermes de fraises. Donc voilà, donc il y a une personne qui a souhaité que je développe ce point. Oui, effectivement, donc ce sont des femmes très vulnérables, très appauvries, dont leur majorité sont originaires des zones agricoles. Et donc, malheureusement, elles sont exploitées. Donc, la collecte des fraises implique plus l'effort physique. Il y a aussi l'exploitation, les abus. Il y a aussi des conditions de travail très indécentes. Il y a aussi une vie très difficile. Il y a récemment un reportage qui a été fait sur Paris Match par rapport à ces femmes-là, sur leur traitement discriminatoire, sur leurs conditions de logement, sur les abus liés au salaire. Et donc, leur situation est vraiment catastrophique. Et donc, il y a même des Espagnols dans certains villages qui demandent de travailler donc de manière saisonnière. Et les Espagnols, les paysans espagnols refusent de les embaucher, disant qu'ils attendent des travailleuses marocaines. En principe, donc le taux moyen, c'est de 16 000 femmes par an. Donc, 16 000 femmes qui partent là-bas dans des conditions inhumaines. Et donc, voilà. Malheureusement, on n'y peut rien parce qu'en fait, c'est un contrat. Ce sont des femmes qui acceptent les conditions du contrat et qui partent. Elles sont appauvries. C'est pour ça, à mon sens, qu'elles acceptent de travailler dans ce genre de conditions. Voilà. Je pense qu'il y a aussi une autre question pour M. Bilgendouz. Oui. Alors, je verrai les questions. Quelle question? Je n'ai pas entendu la question. Oui. De Ternou, je pense que la question a été posée par M. Ternou. Merci M. Bilgendouz pour cette patiente intervention. Aussi, je voudrais savoir comment traitez-vous la question de droit universel de migrer. Est-ce que la personne peut préciser la question? Elle est sur la salle, elle est dans la salle virtuelle. Monsieur Ternon? Monsieur Bilgendouz, je crois qu'il parle de la liberté. Allô, vous m'entendez? Donc, si vous voulez réagir. Oui. En une minute, rapidement, pour qu'on fasse donner la parole à d'autres intervenants. Donc, le droit de migrer, qu'est-ce que vous pensez du droit de circulation ou le droit de migrer universel? Non, bien sûr. Moi, pour le relier à la thématique que j'ai développée, celle des compétences, évidemment, l'analyse critique ne consiste pas à proposer ou à aboutir, disons, à l'interdiction par des textes, disons, de la sortie des compétences. Mais une chose, autre chose est l'encouragement de cette forme de migration qui est préjudiciable. Il y a un certain nombre. Si par exemple, je pense qu'au niveau des institutions qui sont censées, par exemple, réfléchir sur cette question, et notamment l'exemple du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger qui avait un groupe de travail sur les compétences scientifiques, technologiques, etc., sur cet aspect. Bon. Son rôle, c'est de présenter des avis consultatifs pour améliorer les politiques publiques dans ce domaine. Je ne parle pas du fait qu'il n'est présenté aucun avis consultatif, mais son rôle,
ce n'est pas d'encourager ce type de ce qu'ils appellent la mobilité et qui est organisée dans cet esprit, exportant tous les cadres, exportant les médecins, exportant les ingénieurs, etc., pour qu'ils contribuent, soi disant, au fonctionnement de la mondialisation migratoire. Mais quel est l'intérêt dans ce cas-là du Maroc et du développement? On ne peut pas avancer sur ce plan-là. Je sais évidemment qu'il y a au niveau il y a le texte au niveau, enfin l'article 13 qui reconnaît la liberté de circulation, etc. Mais autre chose est de prôner en tant qu'institution et d'organiser, pas simplement comme dans les années 60, disons l'exportation de muscles, maintenant on veut exporter la matière grise. Hein? Et on voit très bien que l'exode des cerveaux, des compétences, il est essentiellement au profit des pays du Nord. Alors évidemment, je sais que même l'Union européenne, elle se plaint de l'exode des compétences européennes qui vont vers les États-Unis, vers l'Australie, etc. Alors eux, ils se rattrapent vers les pays du Sud, africains, et puis un pays comme le Maroc, se rattrape sur d'autres pays du Sud. Je sais que le Maroc, il est situé en Afrique du Nord, mais on ne doit pas accepter ce fait que considérer que chacun doit avoir son Sud et chacun doit exploiter en quelque sorte les autres. Au niveau des pays africains, par exemple les étudiants dont j'ai parlé, et que le président du CCME voudrait capter pour l'économie marocaine, ce serait bien à la limite, si t'es dans le cadre, pour quelques-uns, disons pour des raisons personnelles, ou bien dans le cadre d'une véritable intégration africaine, où il y a la liberté de circulation, là ce n'est pas le cas. C'est simplement, voilà, dans le cadre de la mondialisation, eh bien ils sont là, il faut les capter ici. Et donc, ce principe-là, il doit être, le principe en lui-même, évidemment, il faut le garder, mais on ne doit pas encourager et surtout organiser des politiques publiques qui, en fait, n'organisent pas réellement la liberté de circulation, mais sous couvert de liberté de circulation, en fait, il y a un pillage, il y a une captation des ressources humaines des pays du Sud. Voilà. Et Belguendouz, prendre la parole en une minute chacun, ça serait une bonne chose pour qu'on puisse laisser l'occasion au deuxième panel. D'accord. Il y a une question. C'est Aziz. Oui, c'est Abdelhaka. Si tu permets, je voulais seulement rappeler que entre les relations rapidement entre le pays d'origine et la diaspora, par exemple, le Maroc, la gestion de moments corona va laisser des traces. Par exemple, l'interdiction du rapatriement des personnes bloquées et puis, ce qui est plus grave, vu la symbolique, le rapatriement des dépouilles. Alors que d'autres pays, comme l'Algérie, la Tunisie et la Turquie. Je voulais revenir sur, à cause de non-accompagnement des autorités marocaines et le dédain avec lequel ils n'ont cessé de traiter les questions liées à l'immigration, on a vu la citoyenneté centrale, la citoyenneté traditionnelle d'allégeance au Maroc est en train d'éclater sous nos yeux. Maintenant, nous avons affaire à une citoyenneté diasporique, multidimensionnelle, si j'ose dire, qui ne passe plus par Rabat, mais
par Paris, Bruxelles, Amsterdam, Rome et d'autres villes. Et cet éclatement de cette citoyenneté interpelle et interroge notre marocanité. Que signifie aujourd'hui être marocain? Par exemple, pour quelqu'un qui n'a plus ni passeport ni carte d'identité marocaine, qui n'est plus musulman, qui a quitté par exemple le rythme malikite, qui s'en fiche de la question du Sahara, qui ne parle ni l'arabe ni la mazir, qui n'a pas visité le Maroc depuis 20 ans. Et je pense que cette notion de citoyenneté diasporique laisse la porte ouverte à tous ces gens-là. Et puis, notre diaspora a été marquée par des moments et des, selon le parcours de chacun. Dans les désordres, je peux nommer par exemple, on a pris conscience qu'on appartient à d'autres mondes et à une autre citoyenneté. Le moment palestinien, par exemple, nous a fait découvrir que notre dimension arabe, le moment amazigh, par exemple, nous a fait découvrir que nous sommes aussi des amazigh. Le moment islamique, avec pour certains l'invasion d'Afghanistan, pour les autres la guerre en Bosnie, nous a fait découvrir l'appartenance aussi à un islam qui peut être culturel ou civilisationnel. Le moment des droits de l'homme, avec qui a dénoncé les flagrantes atteintes, les violations des droits de l'homme au Maroc, avec toute la gauche marocaine. Et puis il y a le moment Corona, qui nous a révélé aussi une solidarité citoyenne diasporique entre les Marocains dans tous les pays. Et puis, il y a le moment Hougra et exclusion, où la diaspora a pris la connaissance de l'exclusion avec laquelle le Maroc traite sa citoyenneté et les droits liés à sa citoyenneté. Et tous ces moments sont des tournants qui ne manquent pas d'affecter les relations entre le Maroc et la diaspora s'il n'y a pas une reprise en main par les hautes autorités du pays pour rouvrir le dossier et remédier à tous ces dysfonctionnements. Et je vous remercie. Simhou, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Simhou. Il n'est pas là. Voilà, Simhou. Je suis là. Simhou. Je voulais ajouter quelques petits points sur les principaux défis. Rapidement. Bien sûr. Sur les principaux défis qui entravent la participation des MRE. Et deuxième point, c'est sur la question de comment faire pour arrêter, par exemple, l'hémorragie de la fuite des cerveaux ou des compétences. Il faut dire les choses comme elles sont. Si nos pays d'origine n'ont pas de vraies politiques de développement et de vraies politiques de participation réelle de tous les mouvements de la société, et de la société civile et des compétences, et notamment les Marocains de l'étranger, nous aurons toujours ces hémorragies, c'est-à-dire des compétences qui fuient le pays pour chercher ailleurs, un meilleur ailleurs, c'est clair. Donc jusqu'à maintenant, les politiques qui sont mises en œuvre n'attirent pas, n'attrapent pas nos compétences dans les pays d'origine. Et donc, c'est un des points principaux qui entrave la participation des Marocains de l'étranger et qui entrave aussi la participation des compétences à l'intérieur du pays. Donc, il faut le dire clairement, c'est la question des politiques, effectivement, qui sont faites dans le pays d'origine. Quand j'entends que la ministre chargée des Marocains de l'étranger qui a un plan d'ici 2030, ça fait rire, comme si elle va rester jusqu'en 2030 pour nous donner, je dirais, des résultats sur lesquels on peut l'applaudir. Bah, écoute, il ne faut pas exagérer, c'est grave. Elle ne sait pas réagir déjà par rapport à la situation actuelle, avec les failles, avec les critiques
qu'on émet, comment peut-elle nous assurer un résultat viable d'ici 2030? Cela se répète depuis déjà plus de 20 ans que nous allons voir un meilleur Maroc, un meilleur développement du pays, et ainsi de suite. C'est vrai qu'il y a eu des avancées énormes, mais il reste les avancées au niveau humain, au niveau de du niveau de vie, au niveau de la création des emplois, et ainsi de suite. Ben voilà ce que je voulais ajouter. Merci, Simhou. Madame Mazouz, vous avez d'autres choses à ajouter si... Une toute petite recommandation, parce que ce que je vais dire, ceux qui m'ont devancé l'ont dit, donc pas la peine de faire des redondances, c'est une petite recommandation, le détail qui fait la différence, les articles contenus dans la Constitution 2011 qui concernent les immigrés doivent être activés, validés, doivent avoir leur décret d'application. Sinon, je ne veux pas les qualifier qu'ils ne valent pas grand-chose sans application. Merci. Merci, Madame Mazouz. C'est Abdo. Le micro. Simine Bey. Simine Bey, activez le micro, s'il vous plaît. Oui, ce que je veux ajouter, c'est surtout, lorsqu'on parle de situation de droits de l'homme au niveau de l'Europe, il y a le droit de l'homme qui recule, mais il y a aussi un autre élément qui est très, très grave, c'est la question de l'appel à la haine contre d'autres populations. L'appel à la haine, l'appel à la haine contre les migrants en général, les Marocains surtout, plus l'appel à la haine contre les musulmans. Et ça, ça devient très grave. Cet appel à la haine a des conséquences de comment l'extrême droite commence à utiliser ces appels à la haine pour des violences physiques. Ce n'est plus maintenant seulement les droits ou l'expression, mais c'est la violence physique. Et l'autre point, il ne faut pas oublier aussi la situation, si on se limite à la question de l'immigration, il ne faut pas oublier la situation de migrants au Maroc, des migrants africains au Maroc, que eux aussi ils subissent l'anti-droit, comme par exemple le refoulement dans les frontières du sud, et c'est la même chose qu'il fait l'Algérie, et aussi après tout le tam-tam qui a fait le Maroc sur l'égalisation et tout ça, qu'il avait des petites choses positives, mais la réalité d'aujourd'hui, il n'y a plus de légalisation, il n'y a plus de suivi sérieux pour les dossiers, il n'y a plus de développement dans ce sens. Et ça, il faut le prendre en considération. Plus, j'ai un petit point, parce que je vois que beaucoup des amis, ils parlent beaucoup sur le Maroc et sur la politique de l'immigration. Moi, je propose aux gens qui ont pris cette initiative, parce que c'est un sujet qui est très important, d'organiser un autre débat, surtout sur la politique marocaine de l'immigration au Maroc et à l'étranger, et le respect des droits et le respect de la citoyenneté. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces questions, et c'est aussi important pour la société civile marocaine, qui, je pense, qu'ils sont un peu absents sur le suivi de ce qui se passe avec cette diaspora, et c'est pour ça que ça peut être très important d'organiser un débat sur le Maroc, l'immigration et le droit de l'homme et le droit des migrants. Merci. C'est Abdelhak.
Donc, merci pour... nous la retiendrons et nous nous vous en ferons part une fois que qu'elle se Donc, on passe au deuxième panel avec M. Mrezeqa. M. Mrezeqa. Oui, vous m'entendez? Non, oui, c'est Abdelhaq, oui. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui, voilà. Donc, merci, Sebdo, et tous les intervenants pour ce premier panel. Nous nous excusons du retard que nous avons enregistré. Mais c'était difficile de limiter les paroles à chacun. J'espère que ça a été, ça a donné un peu l'envie d'approfondir la réflexion sur cet aspect des droits des migrants au niveau des politiques étatiques. Et donc, nous passons au deuxième panel qui sera modéré par Mrezeqa, professeur Mohamed Mrezeqa de Paris. Et nous souhaitons la bienvenue à nos amis de Victor, Madame Luisa Chiodi, Monsieur Tiomo Melasio. Madame Sara Soujar et celle Saïd Tobal. La parole est à Monsieur Mohamed Mrezeqa pour le deuxième panel. Bonsoir à vous tous. Vous m'entendez? Oui, oui, Monsieur Mrezeqa, oui. Marhaba. Merci, c'est Abdelhaq. Merci Khadija pour ce passage de relais qui est encore chaud. J'espère que nous allons essayer un petit peu de canaliser et contrôler le temps qui nous est donc alloué. Je vais essayer d'aller très vite à l'essentiel. Alors, bonsoir aux éditeurs, aux intervenants et merci aux organisateurs. La première conférence a, d'une manière qui me semble pertinente, a couvert des aspects importants judicieux de la complexité de la problématique de ce soir. Nous allons essayer, dans cette deuxième conférence, d'élargir un petit peu la réflexion. Nous allons essayer surtout de la centrer sur le thème général qui nous a été indiqué, qui est celui-là, migration et droits de l'homme entre politique étatique et action de la société. Nous avons dans cette formulation deux volets. Nous avons les politiques publiques et nous avons la société civile. Nous allons essayer de voir quelles sont les articulations entre ces deux dimensions. Pour une raison toute simple, il y a bien entendu un ensemble de dispositifs juridiques. Il est formé des législations nationales, de droit international humanitaire, mais il y a aussi un ensemble donc d'atteintes, de déviations, de détournements de ces dispositifs au détriment de l'immigrant. Nous allons essayer de voir surtout comment la société civile joue un rôle de régulateur, comment il assiste, comment il plaide, comment il défend donc l'effectivité ou la mise en pratique de ces droits dont nous parlons, ces droits qui sont multiples, droits culturels, droits de la dignité humaine qui sont liés à la dignité humaine, et un intervenant de la première conférence a bien soulevé toutes ces dérives, toutes ces atteintes dont les migrants et l'objet, femme ou homme, peu importe. J'ai donc l'honneur et le plaisir d'avoir avec moi cinq intervenants de qualité
J'ai le plaisir donc de vous annoncer Madame Sarah Soujar, Madame Louisa Choudi, Monsieur Saïd Bel, Monsieur Victor Matakouri Gera et Monsieur Thumo Melsaou. Je les sollicite d'emblée pour leur dire que nous avons un temps, un capital de temps qui est très limité. J'accorderai à chaque intervenant des minutes pour lui permettre d'exposer, je l'espère, son opinion, ses idées, et je lui demanderai surtout d'insister sur le rôle de la société civile et de nous apporter par la suite un certain nombre de recommandations pour nous permettre d'enrichir notre débat. Je commencerai très rapidement par donner la parole avec grand plaisir à Madame Sarah Soujar. Si vous m'entendez, Madame, à vous l'honneur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien et je remercie les organisatrices et les organisateurs pour ce débat. Bien sûr, la société civile était toujours l'un des institutions, des acteurs qui sont primordiales dans la question de la défense des droits de l'homme en général et dans la défense des droits des personnes étrangères et migrantes en particulier. Et aussi, elle est un partenaire pour la construction d'un État démocratique et d'une société, bien sûr, qui respecte les droits et les libertés. Je vais parler un petit peu de la société civile qui a travaillé sur la question des droits des personnes non ressortissantes marocaines ici au Maroc, parce que je présente une association qui s'appelle GADEM et qui est l'une des associations qui travaille sur cette question et sur cette problématique depuis plus de 10 ans. Et je voulais revenir juste sur l'historique pour bien comprendre comment la société civile marocaine a pu s'engager dans cette question et dans cette problématique. Donc, l'intérêt des associations marocaines jusqu'à une époque récente était juste de s'intéresser aux Marocains résidant à l'étranger, plus les Marocains qui voulaient traverser à l'Europe. Ça veut dire soit les disparus en mer, ça veut dire soit les violations qui ont été parfois exercées par les États européens ou dans la frontière maroco-européenne. Mais c'était limité justement sur la question de sensibilisation et de soutien de ces victimes qui sont marocains et de la famille. Bien sûr, je ne généralise pas, mais c'était l'action principale de la société civile marocaine. Après la prise en considération de la problématique des personnes non ressortissantes marocaines qui vivent sur le territoire marocain, s'est manifestée particulièrement après les événements de 2005 qui ont été passés à Sitta Yamiya. Ce drame avait été une alarme et un révélateur, bien sûr, pour l'opinion internationale de la situation aux frontières maroco-européennes et bien sûr de graves violations des droits humains qui étaient au nom de la protection de ces frontières. Donc là où la société civile s'est purement engagée, particulièrement bien sûr les grandes associations des droits humains qui ont été à l'époque. Et bien sûr, on a mis l'accent sur tout ce qui est violation, tout ce qui est discrimination qui se passe dans la frontière maroco-européenne. Et bien sûr, ce constat de la protection des frontières, la gestion des frontières, le renforcement sécuritaire au niveau des frontières, à l'encontre du respect des droits des personnes non migrantes qui voulaient traverser à l'autre côté. Donc, bien sûr, les associations, il y a les associations qui travaillent sur les droits humains et qui intègrent la question migratoire. Il y a des associations spécialisées en la question migratoire et il y a des associations d'immigrants. Maintenant, on a pas mal des associations qui sont gérées par des personnes non ressortissantes marocaines et qui plaident et qui font de la sensibilisation et qui font de l'action sociale et de la défense des droits des migrants aujourd'hui au Maroc, ce qui est une valeur ajoutée et qui est une chose importante parce que l'engagement des personnes concernées donne plus de la valeur et bien sûr contribue à la défense plus que autres personnes.
Donc, le rôle de la société civile, il est très intéressant, surtout s'il intervient dans les niveaux suivants. La première chose, c'est, ou bien le premier rôle, c'est de rendre visibles toutes les violations et les discriminations subies par cette population, particulièrement les violations et les discriminations qui se font dans les zones frontalières et qui sont parfois justifiées par soit la protection des victimes contre la traite, contre les réseaux mafieux, soit carrément par la protection des frontières. Et ça, c'est intéressant parce que la société civile peut, par des missions de terrain, par la récolte des données, par l'analyse et par bien sûr, l'observation et le constat, peuvent très bien rendre visibles ces violations-là et enlever cette casquette de la protection des frontières, etc. Et disait que, voilà, la défense des droits humains, elle est prioritaire et il est en premier lieu avant de tout intérêt et avant de tout enjeu. Deuxième, c'est essayer de comprendre le changement des pratiques étatiques envers ces personnes. Par exemple, je vous fais référence à deux époques essentielles, à la veille de la fin de la première opération de régularisation de 2014. Il y avait des pratiques menées par les autorités locales dans des pratiques au niveau des zones frontalières qui s'appelaient par exemple les déplacements forcés avec des arrestations, des enfermements, des détentions arbitraires. Ce lien, ça veut dire après la fin de l'opération de régularisation, comme l'État disait aux personnes, voilà, on est avec cette population et on n'est pas avec cette population. Ça veut dire que les droits ne sont pas protégés pour les personnes qui sont en situation administrative irrégulière. Le rôle de la société civile à cette époque, c'était de faire comprendre d'abord cette contradiction, ça veut dire comment l'État adopte une politique d'intégration et en même temps, elle viole les droits des personnes et il essaye d'éloigner les personnes de la zone frontalière avec l'Europe vers d'autres villes au sud du Maroc, ça veut dire loin de cette zone frontalière. Comprendre aussi la logique, ça veut dire qu'il y a une loi qui est déjà là et dans son applicabilité et dans son effectivité, toutes ces pratiques menées par ces autorités-là étaient, même avec cette loi-là, qui n'était pas respectée et qui était tout hors procédure légale et bien sûr qui était illégale. Il y a bien sûr tout ce qui est accompagnement juridique, administratif, médical, etc. Et ça aussi, c'est très important parce que cette population, elle vit dans une situation de vulnérabilité. D'abord, parce qu'elle est parfois en situation administrative irrégulière, ça veut dire qu'elle n'a pas de document qui justifie sa résidence ici, d'où la difficulté d'accès aux droits fondamentaux, soit parfois même de discrimination en raison de leur couleur de la peau. Et le GADEM, par exemple, a fait un rapport qui s'appelait Peau et blessures après les événements de 2018 et qui a bien analysé ce profilage racial et cette utilisation de la couleur de la peau pour identifier toute personne considérée comme une potentielle victime, une potentielle candidate de migration irrégulière. Donc l'accompagnement juridique et administratif, même médical, parfois humanitaire, qui sont faits par les associations, contribuent bien sûr à l'amélioration de la situation à la fois individuelle des personnes, mais aussi commune et générale de la situation. Il y a aussi tout ce qui est en liaison avec le suivi de l'application de la loi nationale et des engagements aussi internationaux du Maroc en la matière. Et ça, c'est très intéressant. C'est très bien aujourd'hui, avec l'adoption de la nouvelle politique migratoire en 2013, il y avait un axe spécifique du changement des textes de loi. Ça veut dire que le Maroc est censé aujourd'hui de changer son texte de loi qui est la loi 0203 et qui encadre le séjour, la résidence, etc. des personnes ressortissantes marocaines. Donc la société civile, normalement, son rôle de suivre d'abord le respect et l'application de cette loi qui est déjà existante,
et parfois qui est violé par les autorités locales, surtout en tout ce qui est mesures d'éloignement, en tout ce qui est procédure légale, etc. Et à la fois le changement de cette loi, ça veut dire qu'on a aujourd'hui une plateforme qui était là, ça veut dire que l'État a déjà donné sa volonté de changer cette loi, mais cette loi depuis 2013, elle est encore ici, elle est encore là. Et malheureusement, cette loi, elle était toujours encadrée par un aspect très sécuritaire qui est présent soit à travers ces procédures qui ne sont pas flexibles et qui sont très répressives, et à travers aussi la présence du ministère de l'Intérieur dans la gestion de tout ce qui est affaires migratoires au Maroc. Et bien sûr, le plaidoyer, la sensibilisation qui est l'axe central de la société civile, parce que notre rôle, ce n'est pas faire de l'assistance ni faire du rôle de l'État, mais de suivre tout ce qui est politique étatique, tout ce qui Madame, est… Madame Soujard, 3 minutes, s'il vous plaît. D'accord, tout ce qui est engagement. Donc, brièvement, je peux juste citer quelques difficultés. La première, c'est par rapport à l'accès à l'information, l'accès aux données, aux statistiques. Malheureusement, au Maroc, cet accès, il est très, très, très difficile. Donc, par exemple, nous avons essayé de voir avec le ministère de l'Intérieur, avec le parquet, par exemple, de voir au moins des données, des statistiques, par exemple, des dépôts de plaintes sur les discriminations, les statistiques sur les dépôts de plaintes des personnes, etc. Et ça, c'est très difficile. Ça veut dire, lorsqu'on veut élaborer quelque chose ou critiquer ou même donner des propositions, c'est très difficile d'accès à l'information concernant cette thématique. Et je crois que c'est plus généralisé au Maroc. Il y a aussi le manque du partage des espaces de dialogue avec les différents acteurs. Donc maintenant, on a pas mal de politiques, on a pas mal de lois, mais on n'a pas des espaces de dialogue, surtout entre la société civile et les acteurs institutionnels, parce que cette question, elle est toujours une question de souveraineté, considérée comme une question de souveraineté, ça veut dire gérée par l'État. Et la société civile, elle n'a pas de poids ni dans la proposition, ni de suivi, ni d'élaboration des politiques. Et le troisième, bien sûr, on sait très bien que le rôle de la société civile ne peut être bien fait s'il n'y a pas un climat favorable des libertés d'expression, de respect des libertés, de respect des droits. Et on a vu malheureusement ces dernières années la poursuite de pas mal de défenseurs de droits humains en général et des défenseurs des droits des migrants. Par exemple, je cite Elena, je cite Omar Naji, etc., qui sont des défenseurs de ces personnes, des droits de ces personnes. Donc, sans un climat favorable, bien sûr, démocratique et qui respecte les libertés et les droits, la société civile ne pourra pas réagir. Merci, Madame Soujard. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes un acteur associatif et que vous nous parlez en connaissance de cause. Et on voit bien, à travers de vos interventions, qu'il y a aussi la volonté des membres de la société civile d'agir, mais ils ont aussi en face des contraintes parfois physiques, mais aussi, bien entendu, les contraintes d'ordre juridique et politique. Merci, madame. Je passe la parole à M. Saïd Tbel. Et je rappelle que M. Saïd Tbel est membre de la commission Migration et droit d'asile de la MDH. M. Saïd Tbel, pour 10 minutes. D'accord, le temps d'ouvrir mon micro. Merci d'abord à nos amis de CRC ainsi que leur partenaire de cette occasion de parler à l'occasion du Forum social mondial de la question migratoire. Bon, moi, je remercie d'abord les amis, le premier panel, d'avoir un tout petit peu expliqué la situation globale des migrants, que ce soit-il surtout ceux qui sont déjà dans les pays d'accueil, qui sont quelque part régularisés, qui ont des papiers, et que dans la situation, on revient de plus en plus en arrière, vu ce qu'on est en train de vivre en tant que politique générale de la migration, que ce soit dans les pays européens que dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, où ces nouvelles politiques essayent de plus en plus de marginaliser, ou bien même d'écarter, ou bien essayer d'exploiter au maximum cette nouvelle population sur leur territoire. Je vais parler beaucoup plus un peu de l'action globale de la société civile pour essayer de contrecarrer les politiques. Bien sûr, nous sommes très en liaison, très liés à la politique européenne, donc je vais essayer
d'expliquer le travail de terrain que fait la société civile pour contrecarrer la politique européenne en général. Je vais essayer de parler de plusieurs niveaux de travail, notamment les actions de terrain de la société civile, ce qu'ils font dans le terrain, parce qu'il y a eu un recul tel ce qu'ont présenté les amis tout à l'heure. Il y a des actions qu'ils font aussi au-delà du terrain national, dans les frontières. Il y a aussi des actions qu'ils font en mer. Il y a aussi des actions qu'ils font à d'autres niveaux, notamment la législation, notamment les problèmes d'intégration et aussi de régularisation. Par rapport aux actions de terrain, je pense qu'on a eu des exemples tout à l'heure qui ont été présentés. C'est tout le travail qui se fait aujourd'hui vu les interventions des politiques. Par exemple, en France, je parlerai de la politique de fermeture d'un certain nombre de camps ou bien de ce qu'on appelle des camps de concentration de migrants, notamment les camps de Calais, Lampedusa, ce qui se passe dans les îles grecques et aussi dans les centres grecs, ce qui se passe pour les mineurs à Paris, etc. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait pour essayer de réagir par rapport à la politique européenne à un certain nombre de niveaux de ce qui se passe au niveau du terrain. La deuxième chose aussi qu'on peut relever par rapport au travail de terrain, c'est ce qu'on a remarqué concernant la régularisation. Comme vous le savez, peut-être nos amis qui sont dans les pays européens sont au courant de ça, c'est qu'on est revenu sur beaucoup de lois concernant la régularisation des personnes, c'est-à-dire les personnes qui arrivent sans papier dans les pays européens n'ont plus les facilités de régulariser leur situation telle qu'il était auparavant. Je parlerai du cas français, je parlerai du cas de d'autres pays, notamment l'Allemagne et les Pays-Bas, etc. Donc voilà un tout petit peu quelques éléments de travail de terrain. Je parlerai un tout petit peu de nos pays du Sud et tout ce qu'ils font sur le terrain. C'est ce que vient d'annoncer notre amie Sarah sur le travail avec les migrants. Et c'est ce qu'ils font aussi nos sociétés civiles contre les problèmes de non-respect de la légalité par rapport à un certain nombre de retours de Marocains mineurs et aussi de problèmes lors de la situation de confinement, des possibilités de retour des Marocains dans leur pays, ainsi que de départ des Marocains qui sont ici pour retourner chez eux. Donc tout ce travail a été fait par la société civile d'interpellation de l'État, des responsabilités aussi bien locales que régionales qu'européennes. Au niveau, par exemple, des actions de sauvetage aussi en mer, il faut reconnaître que la politique européenne continue à freiner toute possibilité de sauvetage des migrants. Bon, je parlerai de ce qui se passe à la côte au niveau, par exemple, libyen, ce qui se passe aussi du côté entre la Tunisie et l'Italie, ce qui se passe entre le Maroc et l'Espagne au niveau des îles Canaries. Donc, il y a un certain nombre de morts, un certain nombre de disparus dont la société civile fait un travail énorme pour essayer de dénoncer toutes ces politiques européennes qui sont un tout petit peu manipulées par un certain nombre d'outils, notamment Frontex, notamment la militarisation. Je parlerai de ce qui se passe par exemple au Sahel avec toute la militarisation, ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui par le travail de Frontex, ce qui se passe entre nous et par exemple le Maroc et l'Espagne au niveau des îles Canaries et ce qui se prépare aujourd'hui sur d'autres politiques de retour, etc. Il y a aussi les interventions en frontière. Comme vous le savez, la politique aujourd'hui européenne est marquée par la fermeture des frontières et les difficultés de personnes de rentrer dans leur pays. Donc, un travail énorme se fait dans le suivi de la réalité des frontières, notamment l'interpellation des politiques policières au niveau des frontières, l'interpellation des violations vis-à-vis des réfugiés ou bien des femmes ou bien des mineurs, la question des retours à chaud, par exemple, entre le Maroc et l'Espagne, les crimes organisés. Nous dénonçons aussi les mafias qui font tout ce travail de transfert de personnes.
nous dénonçons aussi la militarisation des frontières et le cas, par exemple, je dirais un peu tout ce qui, les murs qui se construisent entre les États pour essayer de rendre difficile le passage d'un pays à un autre. Je parlerai aussi des actions législatives. La société civile joue un rôle très important de dénonciation légale au niveau, en exploitant tous les moyens législatifs de la politique européenne. Je parlerai de l'intervention, par exemple, en essayant d'arrêter les actions de Frontex qui ne permettent pas de, disons, d'intervenir pour respecter les droits des personnes en mer. Je dirais aussi les interventions envers un certain nombre de pays, dernièrement vers certains pays de l'Est, parce qu'ils ne respectent pas les droits des personnes migrants et des réfugiés arrivant dans leur pays, leur permettant pas. Il y a aussi des dénonciations de la politique grecque par rapport à l'arrivée de personnes réfugiées dans leur pays et les difficultés d'avoir des possibilités. Et dernièrement, il y a eu des réactions très communes vis-à-vis du pacte, que ce soit le pacte international, que ce soit le pacte européen, parce qu'il contient un certain nombre de reculs concernant les droits reconnus par tout l'arsenal juridique international, de la déclaration jusqu'au pacte international des droits civils et politiques et économiques et sociaux. Je parle aussi des politiques, la critique des politiques sécuritaires. Je parlerai de la critique qu'on a toujours fait, la société civile, de ce que fait Frontex dans un certain nombre de pays, notamment l'intervention militaire. Je parlerai de sa présence en Mauritanie, je parlerai de sa présence au Sénégal, entre guillemets, elle est peut-être présente chez nous au Maroc aussi, et elle est présente aussi peut-être vis-à-vis des frontières algériennes et tunisiennes, et elle est présente un peu partout en Méditerranée. Donc tout ce travail de dénonciation et aussi de mise à niveau de l'information au niveau international par la société civile, c'est un travail énorme. Alors, devant tout ceci, nous remarquons que la politique européenne ne reprenne qu'une petite partie de tout ce travail qu'on fait. Donc, envers tout ceci, c'est pour ça qu'on est en train de développer un travail beaucoup plus large en créant des réseaux transnationaux, en créant des réseaux régionaux. Je parlerai, par exemple, de tout ce qu'on fait aujourd'hui concernant les morts en Méditerranée, parce qu'il y a tout un mouvement qui essaie aujourd'hui d'énumérer, de retrouver les dépouilles ou bien les personnes mortes en Méditerranée. Je parlerai aussi de l'interpellation de la Cour européenne des droits de l'homme concernant les expulsions des migrants, notamment les mineurs, les femmes et les réfugiés. Nous parlons trois aussi minutes, de... si ça arrive, trois minutes. Trois minutes, Philippe. D'accord. Nous parlerons aussi des actions contre les violences frontalières, notamment ce qui se passe en Tunisie, ce qui s'est passé entre le Maroc. Donc, il y a un travail qui commence à dépasser ce niveau, si vous voulez, même national, du travail associatif au niveau national pour arriver à des actions internationales. Et nous parlons aussi de tous les rapports aujourd'hui qu'on essaie de ressortir via les mécanismes des Nations Unies, notamment que ce soit le comité international contre la détention arbitraire, la Convention internationale sur le droit des migrants et de leurs familles, ce qu'on fait aussi sur la question de la violation de la Convention internationale sur le droit des mineurs, parce qu'il y a beaucoup de politiques européennes et même des politiques marocaines qui retournent les mineurs vers leur pays. Ça aussi, c'est une grave violation des droits. Donc, tout ce travail aussi se fait au niveau international et en général, il se fait dans le cadre de réseaux beaucoup plus larges. Je finis en disant aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les migrants, comme a dit un certain nombre d'amis tout à l'heure, est devenu une marchandise qu'on essaye de minimiser à vendre et qu'on essaye de bloquer dans ses droits pour essayer de l'exploiter au maximum. La société civile aujourd'hui se trouve même dans les pays soi-disant respectant les droits de l'homme dans des difficultés d'agir. Vous avez vu, peut-être entendu parler de tous les bateaux qui n'arrivent plus à circuler en Méditerranée pour sauver les migrants. Vous avez entendu parler d'un certain nombre d'associations qui contrôlaient un tout petit peu
les frontières pour essayer de dénoncer la réalité. Vous avez entendu aussi à Paris et dans le pays en France des personnes qui essayent de faire des, comment dire, des commentaires sur la réalité de l'intervention policière dans les regroupements de sans-papiers et qui ne leur permet pas d'intervenir. Merci. Merci Saïd. Merci de cet exposé qui nous permet de voir que l'action, la réaction de la société civile se manifeste sous différentes formes et dans des domaines différents. Malheureusement, sa tâche est très difficile. Alors, parce que les politiques publiques, d'une manière générale européenne, sont donc orientées vers, j'allais dire, un volet sécuritaire, ils sont aussi et surtout entachés par une dimension populiste et, j'allais dire, électoraliste et qui tire vers l'extrémisme. Donc, merci pour l'idée du réseau, parce qu'il faut absolument que cette société civile trouve donc des appuis, renforce sa capacité, et l'idée d'un réseau donc structuré, organisé, peut jouer vraiment ce rôle de renforcement de cette capacité. Mes chers amis, j'ai donc le plaisir de passer la parole à Madame Louisa Choudi, qui est une chercheuse en migration au PC Trans-Europa CCI Italie et qui va donc nous parler de ce thème qui me semble aussi intéressant, centré aussi sur la société civile, mais il va nous emmener dans un lieu, dans un espace géographique qui est très complexe, très difficile, qui est les Balkans. Donc le titre, c'est « Société civile italienne, protection des droits des migrants sur la route des Balkans ». Ce n'est pas la route des soies, mais la route des Balkans, c'est une route compliquée. Et je vous passe la parole, Madame Louisa, pour nous éclairer. Merci à vous la parole. Bonsoir, merci pour l'invitation. J'essaie au cours de mon intervention de vous présenter de manière synthétique le rôle des organisations de la société civile italienne dans la protection des migrants, des réfugiés dans les Balkans. La route des Balkans constitue un des principaux axes d'immigration pour les réfugiés et les migrants en cherchant de se rendre dans l'Union européenne. Les violences subies par les migrants de la part des forces de sécurité des États de la région sont documentées de longue date. Pourtant, peu d'actions politiques concrètes ont été entreprises par l'Union européenne ou ses États membres pour y mettre fin. En revanche, on constate une mobilisation des acteurs de la société civile européenne et des Balkans, au sein de laquelle les organisations italiennes jouent un rôle important. Les protagonistes de ces initiatives de solidarité proviennent d'un horizon politique très varié, mouvements catholiques, ONG humanitaires ou encore des collectifs militants. Et la société l'Italien se sent fortement concerné par l'urgence humanitaire dans les Balkans, dans la mesure où l'Italie participe à la chaîne d'expulsion dans la région. Et ces organisations se sont concernées par les affaires politiques de la région depuis une trentaine d'années, en travaillant depuis longtemps sur l'intégration européenne de la région. Et les actions de la société civile contrastent avec le message xénophobe véhiculé depuis des années par les partis politiques populistes qui conservent dans le pays un fort poids électoral. J'analyserai les activités de la société civile en 5 points. Le premier, sur le terrain, le travail de la société civile consiste tout d'abord à assurer une aide humanitaire, matérielle aux migrants. Dans les cantons d'Unasana, par exemple, en Bosnie, les migrants tentent de traverser la frontière avec la Croatie pour rejoindre l'Italie et les associations italiens fournissent vêtements, matériel divers, repas aux gens qui stationnent dans les cantons. Deuxièmement, sur le terrain, la société civile réalise un travail de documentation, de raccolte, de témoignages, de publication de rapports. Deuxième, afin d'organiser de manière plus efficace pour venir à l'aide aux migrants, de sensibiliser l'opinion publique européenne au problème des conditions de vie des migrants dans les Balkans, 34 associations italiennes
sont regroupés au sein d'un réseau informel rivolté aux Balkans, tourné vers les Balkans. Et ces réseaux travaillent régulièrement en collaboration avec des ONG slovènes, croates, bosniennes et des groupements européens. Le travail de la société civile consiste aussi à sensibiliser l'opinion publique des médias et les médias aux problèmes des conditions de vie des migrants, les violences dont ils sont victimes sur la route. Ce travail se traduit par exemple par l'organisation régulière d'événements destinés au grand public. Grâce à leur travail, et là surtout après l'incendie d'un camp des réfugiés en Bosnie-Herzégovine à décembre, les médias ont finalement porté un peu plus d'attention sur la question récente. 4. Les associations italiennes ont commencé récemment à accorder une importance particulière aux institutions européennes auprès desquelles elles s'efforcent de plaider leur cause. La législation en matière de droit d'asile est une législation commune aux États membres, développée à partir des années 90. Pour cette raison, la société civile dénonce régulièrement la manière dont sont traités les migrants et les réfugiés dans l'État membre, la Croatie, la Slovénie et aujourd'hui l'Italie. Les organisations rappellent régulièrement aux États membres leurs obligations juridiques à l'égard de ces populations vulnérables et plaident leur cause auprès des députés européennes. Ce travail s'avère parfois payant. Plusieurs députés européens ont ainsi adressé à la Commission européenne, une question portant sur les traitements violents subis par les migrants à la frontière croato-bosnienne. Puisque la Commission européenne n'a pas répondu de manière efficace, les membres de la société civile ont également dénoncé la situation auprès des médiateurs de l'UE. 5. Enfin, au cours de ces dernières années, la société civile italienne a montré un intérêt croissant pour la pratique des litiges stratégiques. Les associations ont enregistré plusieurs victoires dans ce domaine. Récemment, le 18 janvier dernier, le tribunal de Rome a rendu un verdict important suite au recours déposé par un migrant pakistanais soutenu par des avocats du réseau Révolte et Balkans. De quoi je parlais avant, la Cour de Rome a reconnu l'illégalité d'un accord italo-slovène qui prévoyait la possibilité, l'expulsion automatique vers la Slovénie des migrants arrivés sur le sol italien, sans laisser la possibilité de formuler une demande d'asile. La Cour a reconnu que le travail de documentation des associations dans les Balkans a été important parce que le ministère de l'Intérieur italien ne pouvait pas ignorer que l'expulsion des requérants pakistanais risquait de l'exposer à des traitements dégradants contraires à la Convention européenne des droits de l'homme. En conclusion, et dans un passé récent, la société civile italienne avait grande attente quant au rôle de l'Union européenne dans le domaine de la politique humanitaire et internationale. À cause du manque de solidarité des États membres entre eux et avec les Balkans, l'action de l'Union européenne s'est révélée profondément décevante dans ce domaine. Si elle s'est dotée de standards particulièrement élevés dans le domaine du droit d'asile, elle a cependant des grandes difficultés à les faire appliquer dans les États membres. Tout en dénonçant l'hypocrisie de l'Union européenne, la société civile s'efforce de la remplacer sur le terrain comme protagoniste des relations internationales, mais aussi d'exploiter l'ordre juridique pour défendre les droits des personnes et les principes fondamentaux sur lesquels repose la Constitution italienne et les normes européennes et internationales. Merci. Merci, madame. Merci beaucoup. On ne peut que féliciter ce travail de fond, ce travail de plaidoyer, parce que c'est un plaidoyer vis-à-vis donc, de la communauté européenne, de ses institutions, qui parfois font la soupe aux oreilles pour une raison toute simple, qu'un certain nombre de pays de cette partie-là, de l'ancienne, j'allais dire, Europe de l'Est,
je cite la Hongrie, la Bulgarie, la Pologne, qui sont restés quand même cantonnés à une certaine, c'est-à-dire logique extrémiste. Et on a affaire surtout, plus que aux forces de l'ordre ou à l'État qui donc à l'origine de politiques répressives, mais aussi à des miliciens, à des groupes fascisants et extrémistes. Et nous avons un certain nombre d'attaques qui ont été très sévères contre des immigrants isolés et démunis. Et nous avons vu des images, mais vraiment choquantes, et cela nous amène à ce que vous avez dit, que la force de la société civile, c'est ces regroupements, c'est cette mise en valeur de leurs moyens, cette mutualisation des efforts, ça leur donne une force supérieure pour plaider et surtout pour réagir contre leur gouvernement, mais d'une manière générale, contre les politiques prises au niveau de l'Union européenne. Madame, je vous remercie beaucoup parce que nous avons appris beaucoup de choses et je vais essayer donc de partir cette fois-ci vers l'Afrique, vers notre ami africain, pour voir un petit peu ce qui se passe là-bas. J'ai cité notre ami Victor Ntakorijera de Rwanda, je crois. Il va nous parler de l'organisation non gouvernementale et droits des migrants en Afrique. Nous avons souvent placé le curseur sur tout ce qui se passe en Europe et nous avons oublié ce continent qui est dans une situation difficile et nous assistons à des conflits tribaux, à des conflits de pouvoir qui sont très sévères en Éthiopie, au Sénégal et par exemple dans d'autres pays où les premières victimes sont les populations civiles qui sont obligées de partir et nous avons en ce moment des camps de réfugiés qui sont diminués, sans aide et dont le besoin. Notre ami Victor va peut-être nous montrer comment la société civile peut réagir à cette situation dramatique, à cette situation qui est donc compliquée, complexe, dans laquelle les États s'impliquent militairement, mais aussi d'une manière tout à fait particulière. Ce sont les civils qui reçoivent souvent les mauvais traitements, plus que les militaires. Monsieur Victor, je vous passe la parole. Avec grand plaisir. À vous l'honneur. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. Et merci aux organisateurs de cette soirée très riche. Effectivement, je trouve qu'en attendant les intervenants si riches, ailleurs aussi, les associations travaillent beaucoup. Effectivement, en écoutant, j'ai dit « waouh », j'ai dit « ça, c'est très bien ». Mais, comme disait Saré, en disant, il y a le moment Covid aussi, puisque maintenant le thème, c'est le rôle de l'État, les associations, après la société civile, l'immigrant, et dans l'axe, dans la vision vers la marche vers le Mexico 2022. En Afrique, nous savons comment les vaccins sont distribués. Donc, l'OMS, pas plus tard qu'hier, via son association COVAX, ils annoncent que dans les pays du Sud et en Afrique, jusqu'en 2024, il n'y aura même pas 20% des Africains ou les gens du Sud vaccinés. Alors que nous savons que pour quand même arriver à une immunité, il faut moins 70%. Donc, même cette marche vers le Mexico de 2022, ça risque de se faire en visioconférence, puisqu'en Afrique, il n'y aura pas encore de vaccin. On a parlé de la route de soie, effectivement, la route de Barkhane. Maintenant, on parle aussi de la route de vaccins. Donc, l'Afrique est oubliée au niveau des vaccins à cause que les pays nationalisent la distribution des vaccins, les vaccins coûtent cher, ainsi de suite. Donc, la société civile, depuis que le corona est là, donc, je n'en dirais pas sauf qui peut, mais leur action a pris un coup, puisque bien que
la contamination n'est pas si grande dans ce pays, bien que les morts ne sont pas si élevés, mais quand même la peur est là. La peur est là, l'Afrique a déjà connu d'autres pandémies avant, on a connu le choléra, la dysenterie, malaria, d'autres infections, on a déjà connu ça. Mais une pandémie qui fait le tour du monde dans quelques jours, ça on n'avait pas encore connu, c'est nouveau. Donc le sida n'a pas fait la même chose, donc il y a la peur. Donc la société civile essaie de s'organiser, mais elle est démembrée. Elle est démembrée puisque les États aussi sont démembrés. Si les États sont démembrés, les citoyens sont démembrés, la société civile aussi. Donc, bien sûr, on essaye de, en tout cas du côté du Burundi, du Rwanda, du Congo, l'Afrique centrale, plus loin de la Méditerranée, on essaye de maintenir les gens chez eux en disant « ne bouge pas trop ». Puisque en Europe, il y a des pays où on compte 1000 morts par jour. Maintenant, au niveau total du monde, on arrive à 1 million de contaminations. Vous allez où maintenant? Donc ici, on a 2 morts par jour ou 1 mort par jour. Quand même, vous n'allez pas nous quitter pour aller là où il y a 1000 morts par jour. Sinon, c'est pas correct. Enfin, ça n'a pas d'explication. Les usines, vous allez travailler là-bas, mais les usines sont fermées. Vous allez jouer là-bas. Le football est fermé. Et vous allez danser là-bas, les théâtres sont fermés. Donc, le mieux, plutôt, essayer de développer notre quotidien, cultivons nos champs, élevons nos poules, et essayons de garder la distance entre nous. Peut-être, cette crise qui nous arrive, on peut en tirer profit, peut-être. On peut en tirer profit. Peut-être, nous allons nourrir en cultivant, nous allons nourrir ceux qui sont confinés. Puisque ceux qui sont confinés à travers le monde ne cultivent plus. Donc peut-être nous, en cultivant, on peut les nourrir. Au moins, cette fois-ci, on ne va plus au nord pour chercher de quoi manger ou chercher du travail, puisqu'il n'y a plus de travail. Plutôt, travaillons ici. Peut-être on peut encore les aider, faire mieux que ce qu'ils ont fait depuis les années 60. Donc, on essaie de travailler cette vision-là. Bien sûr, en gardant la distance, en gardant tout ce qu'on nous dit, nous pensons que la société civile plutôt africaine est en train de travailler dans l'après-COVID. L'après-COVID sera comment? Quel sera le rapport de force? Qu'est-ce que sera le travail après-COVID? Quelle sera l'immigration après-COVID? Quelle sera la solidarité, la coopération entre les peuples après-COVID? Comment ça sera? Donc, on essaie d'anticiper pour réfléchir dans ce sens-là. Puisque les chiffres, tout ce que nous attendons, les déclarations, les fausses informations, on entend que dans beaucoup de pays, même les États n'existent plus. Ce sont les spécialistes qui dirigent, ce sont les spécialistes qui donnent les ordres. Les parlements ne fonctionnent plus. Donc, ce sont les spécialistes et les groupes pharmaceutiques qui dirigent. On entend Pfizer qui dit à l'Europe, à la puissante Europe, quand même, l'Europe, c'est pas rien. Quand un groupe Pfizer il s'adresse à l'Europe en disant on ne vous donnera plus la quantité fixée, on va vous donner la moitié, ou on va vous donner un tiers, et d'ailleurs, si vous nous compliquez, on va vous punir. Donc, on voit que les choses sont en train de bouger dans tous les sens. On essaie plutôt de réfléchir l'après et voir comment on peut en tirer profit. Voilà, plus ou moins, grosso modo, puisque tout ce que j'avais beaucoup préparé, les autres l'ont dit, mais nous travaillons sur d'autres bases. Pour qu'on travaille plus sur les bases, je dirais, qui seront du passé. On veut que l'après-COVID ne soit pas la même chose que l'avant-COVID ou le pendant-COVID. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Victor. Comme vous savez, Victor Hugo a écrit Les Misérables. Je pense qu'il y a un éminent écrivain africain qui a parlé des damnés de la terre. Notre continent, malheureusement, a cumulé les deux flux. Donc, nous avons les misérables et nous avons les damnés de la terre. Et ces damnés de la terre et ces misérables n'ont aucune responsabilité dans cette affaire.
Et l'histoire du Covid nous montre une grande, une extraordinaire discrimination entre le Nord et le Sud. Et nous avons des populations qui ont été décimées par des maladies comme Ebola. Et nous sommes aujourd'hui en train de voir la même chose, que nous sommes privés, c'est-à-dire quand je dis nous, c'est le continent africain, privés de quelque chose, j'allais dire, d'essentiel, qui est donc le vaccin. Nous serons les derniers servis et peut-être les mal servis, mais à la fin. Prions que pour que cette situation change et que nos gouvernants réfléchissent un petit peu et nous laissent au moins ce que nous avons comme ressources, comme nous avons comme compétences, comme ce que nous avons comme hommes et femmes capables de faire des miracles. Merci, Monsieur Victor. Alors, si nos amis, si Abdelhak et Khadija sont d'accord, je me permettrai de donner peut-être la parole aux auditeurs pour quelques questions. S'il n'y a pas assez de questions, je donnerai à nos intervenants 2 à 3 minutes chacun pour conclure. À vous de me dire quelle procédure choisir. Monsieur Mreziqa, il y a Monsieur Milasio qui doit parler. Très bien. Ça, c'est Monsieur Tuomo. Très bien. Alors, c'était juste pour annoncer ce que je vais faire par la suite. Maintenant, je passe à un autre... Je m'excuse. Hein. Je t'en prie. Je reviens au continent et je vais aller... Je t'en prie. Je reviens au continent, un continent béni de Dieu, et nous allons dans un pays qui est considéré comme un pays, j'allais dire, où la société civile est active, où la démocratie est présente et que le respect de l'autre est un élément de la culture. Je parlais de la Finlande et je vais passer la parole à M. Tuomo Melasio, qui est un chercheur, immunochercheur, dans les questions méditerranéennes, et il va nous parler de droits des migrants et société civile en Méditerranée. Et je rappellerai justement que cette Méditerranée, cette mer de civilisation, il a englouti des milliers de nos enfants africains et subsahariens. Je vous laisse la parole, Monsieur Tuomo, pour nous éclairer un petit peu sur cet espace méditerranéen historique, compliqué, et qui devient aujourd'hui un enjeu politique et stratégique énorme. À vous la parole, Monsieur Tuomo. Merci beaucoup, Monsieur Mraisika. Merci. Aussi pour les autres organisateurs, pour Abdelhak Saaf, m'avoir invité. Je veux aussi exprimer mon très grande satisfaction d'avoir écouté pendant 3 heures, parce que tous les 2 panels, je suis impressionné par la haute qualité des intervenants et des contributions, et surtout par le sérieux des propos qui sont présentés. C'est quelque chose que je pense justement que ça pourrait être très bien de pouvoir répéter cet exercice, ce sont des discussions sur le continent européen, et surtout ici dans le Nord. Alors, seulement quelques mots, parce que je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup préparer de ça, parce que ce n'était que hier soir qu'on a décidé avec Abdelhak Saaf que je vais intervenir. Je croyais que je vais seulement écouter jusqu'à là. Alors, je voudrais faire seulement quelques points. Je pense que le devoir le plus important des sociétés civiles en Méditerranée, c'est aide qui puisse porter aux migrants et aux réfugiés, surtout dans la mer. Ça, c'est peut-être les choses les plus concrètes et les plus importantes où ils jouent un rôle, je dirais, remarquable. Même si ça reste moderne, modeste, ils sont une sorte de conscience surveillant le
une politique officielle. Sans certains bateaux courageux, Open Viking, qu'est-ce que c'était la dernière, qui vont à risque de leurs propres difficultés, essayer de sauver le maximum de migrants qui sont en difficulté dans la mer. Ça, c'est le plus important chose que puisse faire la société civile en Méditerranée. La deuxième, encore au niveau du congrès, c'est organiser l'accueil. Organiser l'accueil des migrants en Méditerranée. Excusez-moi, si vous permettez, activez le micro. On a plus M. Thumeau. Ah, ok. Je ne sais pas pourquoi c'est passé. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que vous avez attendu, ce que je disais, pour organiser l'accueil des migrants et des réfugiés après les avoir sauvés? Ça, c'est le plus important. La deuxième chose plus importante que puisse faire la société civile et les organisations non gouvernementales. La troisième chose qui, à mon avis, ce soir, je suis venu encore plus convaincu, qui reste important dans cette coopération concrète et qui est très peu parlée en Europe, même au sein des sociétés civiles et auprès des organisations non gouvernementales, c'est la coopération avec les organisations du Sud. Il faut créer une sorte de lien concret entre les organisations européennes qui travaillent activement dans la Méditerranée avec les collègues, avec les partenaires dans le Sud. Ce sont des axes importants dans plusieurs façons. Ça augmente la visibilité des organisations du Sud au niveau européen. En même temps, ça facilite le travail dans le Sud. Et en même temps, ils les font peut-être plus acceptables vis-à-vis de leur propre autorité étatique. Alors, il y a plusieurs choses pourquoi cette coopération avec les ONG du Sud, il me paraît, sont importants. À côté d'Europe, je dirais qu'il y a au moins quatre différents partenaires ou adversaires, si vous voulez, en Europe, qui sont importants et que les organisations civiles devraient pouvoir avoir une influence. La première, c'est leur propre gouvernement. Par exemple, c'est nous, c'est extrêmement important que nous avons différentes organisations civiles qui ont un impact au gouvernement finlandais et vis-à-vis comment il se comporte vis-à-vis les migrants. C'est extrêmement important. Et en même temps, c'est important qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce que le gouvernement européen et finlandais fasse en Méditerranée. Qu'il y a des organisations finlandaises qui, d'une certaine façon, les surveillent. Donc ça, c'est une chose qui est, je dirais, le plus important pour les organisations non gouvernementales de la société civile de mon pays. La deuxième, ça va dans le même sens, c'est-à-dire que avoir un impact au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire que le Parlement européen et la Commission ne puissent pas faire n'importe quoi, qu'il y a une sorte de société civile qui suivent, le tiennent en œil et contrôlent ce qu'ils font. Le même concerne naturellement les autres organisations internationales
quelqu'un a tout justement, tout correctement parlé ce soir de l'ONU. C'est aussi important de surveiller et avoir un impact comment l'Organisation des Nations Unies approche ces problèmes des migrants, en général, les migrants en Méditerranée en particulier. Les petits pays du Nord, Suède, Danemark, Norvège, Finlande, ils sont tous les quatre très, très soucieux d'avoir leur impact dans l'ONU. Monsieur Clément, 3 minutes, s'il vous plaît. D'accord. Qu'ils payent beaucoup de l'attention du multilatéralisme, qu'ils comptent qu'une partie de leur propre sécurité et survie dépend de cette approche multilatérale. Le troisième point applique, si vous voulez, c'est justement l'opinion publique. Comme quelqu'un a déjà dit qu'il y a le parti populiste, je crois que c'était Louisa qui en parlait, un parti populiste en Europe, le parti d'extrême droite, et la situation est aujourd'hui, d'une certaine façon, beaucoup plus difficile que ce qu'il y a 20 ou 30 ans, à cause de ce populisme extrême droite. Il faut que la société civile puisse avoir un impact à l'opinion publique. Et comment avoir l'opinion publique, c'est mon dernier point, c'est avoir aussi une approche et une influence vis-à-vis des médias. Les médias sont très importants parce qu'ils sont en train d'avoir un impact aussi bien au gouvernement qu'à l'opinion publique. Alors, la société civile, d'une certaine façon, il devrait arriver à sensibiliser les médias de suivre d'une façon correcte ce qui se passe au niveau des migrants dans la Méditerranée. Je m'arrête là et je vous en remercie. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que grâce à cette richesse, à cette diversité, j'allais dire d'appartenance, parce que nous avons donc des intervenants qui appartiennent à, disons, différentes, et nous avons, Dieu merci, nous avons un aperçu global. Bien entendu, la problématique est très complexe et on ne peut pas la couvrir dans toutes ses dimensions. Ce que j'espère, c'est que les auditeurs, que je remercie encore une fois infiniment, je laisse la parole à Madame Khadija pour quelques questions et après, je donnerai la parole aux intervenants pour 2-3 minutes. Khadija, à vous la parole. Donc, c'est M. Moulin qui va nous donner les questions qui ont été posées, soit sur la page Facebook ou bien dans la salle de chat. Ou bien de... Bonsoir à toutes et à tous. Donc, les quelques questions phares sur la page Facebook. Il y a d'abord la question de l'exode de cerveau ou bien la fuite des compétences. Ici, donc, il s'agit beaucoup plus, selon un intervenant, de l'étroitesse du marché du travail. Donc, c'est une question beaucoup plus d'étroitesse du marché du travail dans les pays du Sud qu'autre chose. Il y a une autre question au niveau de le rôle de la société civile. Donc, une remarque, c'est qu'il y a peu de renouveau dans le discours de la société civile sur la migration. Il y a également pas de renouvellement des élites qui travaillent dans le secteur bancaire, qui sont actifs sur la question de la société civile. Et donc, peu d'inventions et d'innovations, des messages répétitifs, etc. Et puis, les organisations qui travaillent, les organisations non gouvernementales qui travaillent sur la migration sont beaucoup plus préoccupées par des projets et des programmes financés par des bailleurs de fonds. Donc, sont beaucoup plus des chasseurs de primes. Donc, ça, c'est pour les questions sur Facebook.
donc sur la salle virtuelle. Donc une question pour Monsieur Victor. C'est-à-dire que la question du répercussion de la répercussion du COVID-19, c'est une réflexion qui devrait être faite dans à moyen terme sur les 4 ans à venir. Puis il y a une autre question. Il a évolué. Donc ici, une question sur l'évolution au niveau de la quantité des organisations de la société civile qui travaillent donc, pour les droits des migrants. Il y a une certaine inflation, etc. Puis, M. Aizla Arab, en tant que MRE et président de l'Association nationale pour la protection de l'enfance, j'aimerais donner notre expertise sur l'immigration au Maroc dans les deux sens et les risques que le Maroc encourt dans les années à venir. Donc, M. Aizla Arab, il a levé la main, donc je pense qu'il faut lui donner la parole tout à l'heure, une fois que je termine la lecture. Voilà. Très bien. Donc, je vois donc, les questions qui s'affichent. Donc, voilà. C'est tout. Des préoccupations beaucoup plus sur le renouveau de l'action de la société civile, de l'élite, etc. Et puis, M. Aizla Arab, il veut intervenir, poser sa question ou bien partager son expérience. Monsieur Aizla Arab El-Hlou, à vous la parole. Monsieur, voilà. Oui. Très bien. Voilà. Allez-y. Monsieur. Bonsoir, messieurs, dames. Merci pour cette invitation. Ben voilà, en tant que MRE, marocain résident à l'étranger depuis 35 ans, et ayant vécu, ayant subi l'immigration et de retour au Maroc, bien sûr, je suis président d'une association, le président de l'Association nationale pour la protection de l'enfance, et je vois que il y a aussi un problème de l'immigration qui se pose ici au niveau du Maroc dans les deux sens. Ce qui est dommage, c'est que le Maroc n'a pas su profiter de ce qui s'est passé en Europe pour ce qui concerne l'immigration, pour réaliser une politique de l'immigration qui correspondrait à son statut de pilote en Afrique et qui dirigerait qui organiserait l'immigration, surtout qu'il a adhéré à la CEDEAO. Et dans cette optique, il aurait fallu créer une politique de l'immigration qui conviendrait à l'Afrique avec tous ses aspects culturels et géopolitiques, et quand même en même temps profiter des erreurs qui ont été faites en Europe pour ne pas reproduire la même chose. Malheureusement, je vois que le Maroc est devenu une passoire pour tous les immigrants qui veulent partir en Afrique. Et par ce biais, il est en train de subir toute une déferlance de tous les immigrants qui veulent partir par ce biais. Donc, il se trouve en porte-à-faux par rapport à deux continents. Et il doit gérer cette situation dans le respect fondamental de l'être humain, bien sûr, mais en même temps de son territoire. L'accès au territoire marocain, c'est un pays souverain, bien sûr, comme tous les autres pays, il est soumis à des conventions internationales et malheureusement, ils ne sont pas toujours respectés. Et il y a à laisser aller dans la politique de l'immigration. On ne dit rien aux gens qui font transiter, ceux qui font l'esclavage, la traite. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous avez une question? Parce qu'il me reste juste un peu de temps. Je vous
Je veux juste donner mon idée sur l'expertise, sur la situation exacte actuelle au Maroc, sur laquelle il faut en tenir compte, parce que j'ai entendu tout à l'heure quelques intervenants dire que le Maroc renvoie des Africains vers le sud et rapatrie en masse des populations, ce qui est archi faux, et j'essaie d'expliquer la situation de l'étau sur le qui dans lequel le Maroc est pris, pour comprendre que ce n'est vraiment pas facile de gérer cette situation là d'autant plus il y a, au contraire, lui il était trop permissif, il a laissé entrer une forte population clandestinement au Maroc pour le respect, dans le respect humanitaire. Et c'est ce qu'il lui a fallu, cette déférence et cette non-déférence. Est-ce que, M. Mouline, on peut passer la parole à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Je pense que donc il y a deux autres petites questions. Donc, les principaux défis qui entravent la participation politique des migrants dans les pays d'origine et les pays d'accueil, et puis jusqu'à quelle limite la société civile peut faire pression pour la sauvegarde des droits fondamentaux des migrants. La limite de pression. Voilà. Je vous remercie. Merci. Moi, j'ai une question de la part de Madame Raja Khdaïchi. Hein. Je pense une question qui concerne ce panel, qui est liée. Donc, la question est la suivante. Rôle de la société civile pour amener les États à adopter des politiques publiques respectueuses des droits des migrants. Et c'est une double question et qui est le deuxième volet de la question. Le rôle de la société civile pour arrêter l'hémorragie de la fouille des cerveaux. Donc, nous sommes là complets. Et si vous permettez, je vais donc commencer par donner la parole aux intervenants, 2 minutes chacun. Et je commencerai par Madame Louisa Chiodi. Madame Louisa, à vous la parole pour 2 minutes. Pour répondre. Oui, j'essaie de répondre à la question sur l'espace de la société civile. La société civile est toujours beaucoup moins forte de n'importe quel État, même le plus démocratique. Et ça, c'est un grand problème, un grand limite, parce qu'on s'attend de la société civile beaucoup de plus de celles qu'elles peuvent vraiment faire. Et en même temps, c'est clair que c'est un espace fondamentale pour la démocratie, pour le changement. Et alors, il faut profiter de ce qu'elles peuvent vraiment faire sans s'attendre beaucoup plus de ce qu'elles peuvent vraiment faire. Excusez-moi pour la tentative d'improviser. Merci. Merci, Mme Louisa. Monsieur Victor a été donc interpellé. Je vous laisse la parole aussi pour 2 minutes. Pour nous parler de cette histoire, on a parlé de discrimination dans cette période de Covid. À vous la parole, Monsieur Victor. Encore une fois, merci beaucoup. Donc, je suis vraiment étonné de la façon dont on échange vraiment comme des frères et sœurs. Et j'en profite déjà pour répondre à la petite question très rapidement qui m'a été posée, qui m'a été adressée. Et ce que je dis que nous travaillons pour la paix Covid, c'est la recommandation même de l'Union africaine. C'est l'Union africaine qui recommande aux associations de commencer à réfléchir à cela. Voilà. Puisque les autres, tous les spécialistes, même Bill Gates l'a dit il y a 2 jours, que Bill Gates avec sa machine Google, tout ça, ils sont déjà tentés de travailler l'après Covid. Donc, alors, ce n'est pas à nous de rester en arrière, puisque après Covid, comme le pendant Covid, comme l'avant Covid, comme M. Mlazika l'a dit, on a été toujours victime des choses qui nous arrivent. Alors, essayons un peu d'anticiper, au moins d'arriver sur la ligne, d'arriver au même temps que les autres. Merci. Le deuxième point, j'aimerais aussi quand même soutenir la gestion, la bonne gestion de l'immigration intra-africaine, pour que quand même il y a des choses, il y a des capacités en Afrique qui sont au nord, qui ne sont pas au sud, qui sont à l'est, qui ne sont pas à l'ouest,
qui sont dans le désert, qui ne sont pas dans la forêt, qui sont dans la forêt, qui ne sont pas dans les plaines. Donc, échanger notre, je dirais, diversité en interne déjà. On peut faire plein de choses. Merci. Merci, M. Victor. Alors, j'aimerais revenir à ces Saïd Tbel pour quelque chose qui me semble essentiel, et c'est une question que je lui pose. Monsieur Saïd, pouvez-vous développer un petit peu plus l'idée de réseau qui me semble essentiel pour le renforcement de la capacité donc, d'action et de réaction de la société civile? À vous la parole, c'est Saïd. Merci, je voudrais répondre à cette question et une autre question qui a été posée tout à l'heure par notre ami. Alors, par rapport un peu à ce travail de réseau, je pense qu'il est important dans la mesure où la question migratoire s'est mondialisée, c'est-à-dire que ce n'est plus devenu des politiques nationales qui agissent par rapport à, à cette situation, mais beaucoup plus un problème qui est similaire, qui se retrouve dans les mêmes, si tu veux, l'optique de vision dans tous les pays du monde. Et en même temps, nous avons des groupements de pays, notamment les pays européens, l'Union européenne qui met en place une politique commune, c'est-à-dire vis-à-vis d'un certain nombre d'autres, disons, d'autres continents, je dirais l'Afrique, parce que la politique européenne aujourd'hui ne s'applique pas seulement sur le continent européen, il s'applique aussi dans les autres pays, limitrophes de la Méditerranée, la deuxième frontière, la troisième frontière, etc. Donc, il y a ça. Le troisième effet, c'est la militarisation aussi de la question migratoire dans la mesure, par exemple, où le Niger aujourd'hui, une très grande implantation militaire et des conflits militaires sont liés aussi à la question de contrôle de la plateforme migratoire dans cette zone qui est liée entre le Sénégal, le Mali et le Niger et la Mauritanie, c'est-à-dire contrôle de la migration. Donc, tous ces éléments et ce qu'a cité notre ami sur les Balkans, etc., tous ces éléments montrent qu'on est obligé, puisque les problèmes sont similaires, de se retrouver dans un travail en commun. Il se fait aujourd'hui, je vous ai donné l'exemple de la solidarité avec les bateaux qui étaient dans les difficultés d'intervenir en Méditerranée. Je peux vous donner des procès qui ont été menés au niveau de l'Union européenne sur les questions aussi de la violence dans les frontières d'un certain nombre de pays balkans, y compris dans la frontière maroco-espagnole. Nous avons fait un procès avec nos amis société civile espagnole sur les questions de ce qui s'est passé en 2005 à Ceuta et Melilla. Il y a aussi des tentatives, du travail qui se fait avec nos amis africains, que ce soit en Mauritanie, que ce soit au Niger, que ce soit au Sénégal. Ce qui s'est passé dernièrement au Sénégal était une catastrophe. On juge une personne, le père d'un quelqu'un qui a migré dans son pays parce qu'on le poursuit d'avoir aidé son fils pour essayer d'émigrer clandestin. C'est grave, ça, c'est une situation. Donc, merci. Tout ce travail, on essaie de le faire. Donc, je réponds à une deuxième question qui a été posée, c'est que la société civile cherche à travailler que par des projets. Il faut reconnaître qu'effectivement, il y a des sociétés civiles, il y a des associations qui travaillent par projet, mais il y a aussi des associations qui travaillent par militantisme, par engagement, parce qu'effectivement, ils ne sont pas obligés de se soumettre à un projet. Ils travaillent parce que vraiment la cause est prise à fond par ces associations. Et ça existe chez nous, comme en Algérie, comme en Tunisie, comme en France, comme en Espagne, comme en Italie, merci, etc. Merci, Saïd. Voilà, merci. Merci, Saïd. Je passe la parole à Madame Sarah Souja. S'il peut nous... j'allais dire enrichir d'une idée ou deux de sa qualité d'actrice ou d'acteur associatif de terrain. Madame Souja, à vous la parole. Madame Souja? Madame Souja n'est pas là. Je vais donc donner la parole pour 2 minutes à Monsieur Thiomo Milsao. Monsieur Thiomo, à vous la parole pour 2 minutes. Merci beaucoup. Je suis toujours le même avis que
Si la société civile souhaite d'être vraiment efficace au niveau européen, je parle maintenant des sociétés civiles européennes, il doit avoir assez de force pour avoir un impact à la politique gouvernementale. Et que si nous souhaitons que la politique européenne vis-à-vis des migrants dans la Méditerranée améliore, ça va être une, comment dirais-je, un effort combiné avec le gouvernement et la société civile. Le gouvernement n'a pas assez de force si la société civile n'est pas là pour le pousser et l'inverse. La société civile ne puisse pas seule changer les choses. Alors nous avons besoin de cette coopération entre les deux si nous voulons un changement positif dans la façon comment les migrants sont traités en Méditerranée. Je suis naturellement d'accord avec presque tout ce qui a été dit ce soir et je vous félicite encore une fois pour la pertinence de vos propos, pour la haute qualité des contributions. Merci. Merci, merci M. Thulot. Ben écoutez, mes amis, je vous remercie tous. Les interventions sont vraiment d'une pertinence, j'allais dire, effective, qui révèle à la fois la complicité de la question qui est posée, cette problématique de l'immigration, et ce rapport entre le droit international, le droit humanitaire et l'action associative est un rapport, une relation d'une grande complexité. Nos intervenants nous ont permis d'éclairer, de poser un éclairage pertinent sur cette problématique, et je suis aussi heureux de voir que ce deuxième panel, a complété d'une certaine manière les interventions aussi qui étaient riches et bien ciblé de la première conférence. Il ne me reste plus que remercier les organisateurs, vous remercier tous et toutes, et je souhaite que ce travail mené par donc le centre, le CERS, les partenaires, je passe la parole à Abdelhak, peut-être qu'il veut peut-être ajouter quelque chose. À vous la parole, c'est Abdelhak. Voilà, juste pour à la fin de cette rencontre virtuelle, juste je tiens à remercier tous les intervenants pour un problème de son. L'invitation. Un problème de son. L'invitation. Allô? Oui, oui, simple. Oui, je pense qu'il y a problème de connexion. Bon. Ah, d'accord. Donc, je tiens à remercier tous les intervenants d'avoir accepté de participer à cette rencontre virtuelle, mais aussi de leur contribution et de nous excuser de les avoir retenus si tardivement. Et je tiens aussi à remercier tous les du Centre d'études et de recherche en sciences sociales de l'Université pour tous de Salé et du groupe de recherche et d'études sur l'immigration. À remercier tous les participants et le sujet est qu'on ne peut pas embrasser toutes ces dimensions en 3 heures, même en une journée. Et donc, c'est ultérieurement. Et nous vous donnons rendez-vous dans d'autres activités, si vous voulez bien. Donc, on déclare close la conférence et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci. Au revoir. Merci. 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 Quittos.
Quitos. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci, Khadija. Merci, c'est Mrazika. Merci. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Soukran, c'est Mrazika. Je t'en prie, avec plaisir. Merci. Madame Khadija, bonsoir à tout le monde. Merci, Madame Amina. Les barquis participants.